de Pau, une ambiance exceptionnelle, digne des plus grands rendez-vous. Et c'est normal puisque ce match, c'est bien évidemment la grosse affiche de la fin des années 90 et même du début du nouveau millénaire. Pau-Orthez face à l'ASVEL, c'est devenu un grand classique. Il y a plein d'histoires sur ce match avec par exemple déjà le bilan comptable. Villeurbanne qui est leader face à Pau-Orthez qui sont dauphins. C'est tout simplement la lutte vers la première place du championnat de France Pro A qui peut être relancée aujourd'hui. Et puis bien évidemment, pour encore plus exacerber ce contexte explosif, il y a cette série d'invincibilité de l'ASVEL. 12 victoires depuis le début de la saison, 0 défaite. Est-ce que l'élan Bernais sera la première équipe française à battre l'équipe de Villeurbanne cette saison? Sachez quand même que les deux plus grosses séries d'invincibilité dans l'histoire de la Ligue, c'était Limoges, on y reviendra. Et à chaque fois, Pau-Orthez a fait chuter ces séries d'invincibilité. Est-ce que ça va continuer aujourd'hui? C'est une question à laquelle on répondra d'ici 40 minutes. Peut-être que Jean-Pierre, vous avez déjà quelques indices d'ailleurs. Oh ben vous savez, on peut dire que Pau, depuis le début de la saison, après un début plutôt difficile, s'est quand même renforcé avec l'arrivée de Georges Murezan, ce qui n'est pas rien, avec Jerry McCulloch. Et puis surtout avec le retour de Didier Gadou, qui est le stabilisateur de cette équipe de Pau, Didier qui était blessé en début de saison. C'est un Pau en pleine euphorie, avec 3 victoires en Supro League. En championnat, bien évidemment, ils sortent d'une victoire la semaine précédente à Paris. Donc on peut se poser la question de savoir si Pau, effectivement, très sérieusement, est en mesure de détrôner Villeurbanne. Quant à l'ASVEL, eh ils restent sur 3 défaites d'affilée en Supro League et ils se cherchent un petit peu un championnat. Ils ont failli passer à la trappe la semaine dernière face au Mans chez eux. Eh bien, comme vous le disiez, je crois qu'il faut attendre 2 petites heures pour en savoir un petit peu plus. On va voir ça. Vous venez d'apercevoir les deux présidents et on découvre tout de suite les 2 5 majeurs. On commence bien évidemment avec l'équipe qui joue à domicile, l'élan Béarnais. Quel est le 5 majeur de cette sélection? Pas de surprise, McCulloch avec Estellière à ses côtés, Didier Gadou, Lawson et Dubos, sachant que Murezan est sur le banc. L'entraîneur de cette équipe de Pau, c'est Claude Bergeau qui doit être avec David Bielski. Voilà, je suis avec Claude Bergeau. Claude, en début d'année, c'est supposé d'être une année de reconstruction avec Murezan, McCulloch. Vous voilà dans la peau du favori. Oui, c'est vrai que les objectifs sont un petit peu revus à la hausse. Maintenant, ce qu'on a besoin, je crois, c'est de continuer à donner de l'expérience à nos jeunes. Même si les derniers temps, ils ont moins pris un peu de temps de jeu, c'est évident. Mais je crois que c'est une riche expérience pour eux que de participer à des préparations de match, à de rentrer à des moments clés. À Paris, nous avons fini avec Florent et Michael Prétus à la fin du match, alors que le match devait se jouer. C'est des riches expériences et il faut que ça continue. D'accord, merci. Le 5 majeur de l'équipe de Villeurbanne, maintenant, on le découvre tout de suite, ce 5 majeur, avec Ciara, Pachoutine, Edouard, Frigou et Bilba. L'entraîneur de cette équipe, c'est Greg Meugniot. Et en attendant d'écouter Greg Meugniot faire son dernier briefing, nous, on découvre la composition du duo d'arbitres pour ce match. Un duo qui est composé de Philippe Malabio et d'Anibal Castano. Un duo de haute volée pour ce qui est le grand choc de la 14e journée du championnat de France Pro A. Les voilà, ces deux arbitres. Et nous, après avoir entendu Claude Bergeau, on va entendre Greg Meugniot pour les derniers conseils à ses joueurs avant le coup d'envoi. Bien évidemment, un exceptionnel. Le singe, Voilà, bon, on n'a pas eu beaucoup de chance puisque malheureusement, au moment où Greg Meugniot faisait son speech, c'était aussi le speech de Gérard Bouscarel, le speaker, et comme il y a beaucoup de monde, il a dû pousser sa sono à 800 décibels. Et donc on a à l'arrivée plus entendu la présentation de celui qui va donner le coup d'envoi de ce match. Ce qui est bien aussi parce que c'est une vraie vedette du sport français qui est au milieu.
certains le reconnaissent peut-être. Ah ben, c'est un enfant du pays, Jean-Pierre, vous le connaissez, non? Je le connais un petit peu. C'est Tony Estanguet. Tony Estanguet, bon, c'est quelqu'un qui pratique un sport qui n'est pas du tout médiatisé et qui ne peut se médiatiser qu'à la lumière des Jeux Olympiques, des championnats du monde, éventuellement aux championnats d'Europe de la discipline. Ce sont des gens qui méritent vraiment d'être connus parce qu'ils sont vraiment loin de notre monde à nous, du basket, du sport showbiz. Et ce sont des grands athlètes. C'est un grand athlète en tout cas. Au Palais des Sports de Pau, la 14e journée du championnat de France Pro A. Tony Estanguet, champion olympique à Sydney. Palois qui donne le coup d'envoi fictif de cette partie. Ça va pouvoir commencer. Philippe Malabio qui appelle les deux pivots pour l'entre-deux. C'est parti pour 40 minutes de très très haut niveau. C'est normal, ce sont les deux meilleures équipes françaises de la saison. Et Didier Gadou qui marque le premier panier. Voilà, Didier le revenant qui marque d'entrée. Ce sont aussi les deux représentants français en Super League cette saison. Ils sont face à face. Ils ont d'ailleurs, pour la petite anecdote, exactement le même bilan en Super League. Ça avait mieux commencé pour Villeurbanne que pour Pau. Et depuis, Pau a redressé la barre et Villeurbanne a un peu fléchi. Mais c'est vrai que les Villeurbannais ont eu un gros calendrier là en Super League. Voilà, et Pau qui entre de manière tonitruante dans le match. Un peu comme le taureau dans l'arène. Didier Gadou. Avec Jason Lawson qui ressort pour Fabien Dubosc qui prend le shoot à 3 points. C'est un peu court, mais la balle est récupérée par Lawson qui se bagarre bien. Mais il termine en dehors des limites du parquet, Jason Lawson. Pas shooté avec Laurent Sierra. Sous les sifflets du public de Pau, alors que l'été dernier, Laurent Sierra a failli devenir palois aussi. Finalement, il a choisi Villeurbanne. Il faut dire que Laurent a toujours été sifflé ici dans cette salle de Pau. Je me souviens avec le PSG à l'époque. Jim Vilma, 3 points ratés. Rebond, Villeurbanne. Et Laurent Sierra à nouveau. Intérieur, Vilma qui cherchait ligne de fond David Frégou. Interception des palois. Avec McCullough qui joue à l'intérieur, jolie passe pour Fabien Dubos. Ah oui, des Palois qui cherchent à jouer vite, rapidement, qui essaient de prendre Villeurbanne en défaut sur son repli défensif. Laurent Sierra avec Edwards, Bilba. Oui. Voilà. Alors là, on s'aperçoit que depuis que Villeurbanne attaque, il cherche toujours la relation entre le poste haut et le poste bas. Et on s'aperçoit qu'aussi quand Jim est au poste haut, il peut faire des passes, mais quand il est en poste bas, c'est quand même plus efficace. Didier Gadou, Lawson, et faute offensive, passage en force pour Jason Lawson. Ah, il n'est pas content, le pivot de cette équipe de Pau-Orthez. Vérification avec le ralenti de Divan Bodenès et de son orchestre. En force sur David Frégou. Laurent Sierra avec Pachoutin, Bilba avec David Frégou à l'intérieur et Pau-Orthez qui menait 4-0. Et maintenant à 4 partout. Voilà, Frégou, Bilba, Bilba, Frégou. Didier Gadou avec Jason Lawson. Oui, Estellière, quelle jolie passe pour Didier Gadou. On a l'impression que ça récite, que les deux équipes entrent dans le match immédiatement et puis qu'elles ne sont pas trop prises par la pression et qu'elles ont décidé de jouer un basket de qualité, assez bien léché, pas trop précipité. Tilba avec Frégo, Laurent Sierra. Chotin qui tape le shot, il pénètre et à 3 points, il est tout seul, c'est Bill Edwards. Un panier qui fait du bien parce que ça change un petit peu la donne depuis le début de ce match. On a cherché à mener le ballon dessous essentiellement. Et là, c'est un tir extérieur intéressant. À part celui de Fabien, je crois que ce sont les deux shoots extérieurs qui ont été pris depuis le début du match. Et la balle qui sera donc pour l'élan Bernay. Pour l'instant, niveau ambiance, bon, mis à part sur la présentation des équipes, c'est encore calme. Vous allez voir que ça va grimper petit à petit. À mesure que le match va avancer, là c'est un pied et la balle qui sera toujours pour l'élan Béarnais.
avec Roger Stellière, Fabien Dubos, Didier Gadou au poste et gros rebond de Jim Bilba. Pachotin, Laurent Sierra. Sierra qui cherche à profiter d'un écran. Là-bas, sur le côté, Bill Edwards change de côté. Il reste 6 secondes. Il va falloir amorcer quelque chose. Pachotin en difficulté. Bilba, une seconde. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, à vouloir trop bien faire, on se fait prendre un petit peu à son propre jeu. Mais en fait, il vaut peut-être mieux ça plutôt que des shoots précipités. Ce n'est pas forcément une mauvaise attaque. S'il manquait quelques secondes, il aurait fallu un petit peu plus de présence et de prise de responsabilité. Ce que j'espère voir dans les minutes qui viendront. Thierry McCullough avec Roger Stellière. Lawson. Jason Lawson se retourne et il marque avec la faute et le lancer franc. Et derrière, il peut faire le malin avec le petit shake and bake. J'ai l'impression que côté ballon, on veut provoquer la faute, on doit estimer que Lawson peut... Belle image, Yvan. Que Lawson peut effectivement aller se fricoter à David Frigou ou à Jim Bilba. C'est ça, donc un shake and bake. Vous savez le faire, vous, Jean-Pierre, non? Non, j'y arrive pas. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi vous posez la question, vous l'imaginez, vous le saviez. Oh, je vous imagine bien faire le shake and bake. Mais non, malheureusement. Pour moi, peut-être. Laurent Sierra. Laurent Sierra, ouf! Pour David Frigou, heureusement qu'il fait plus de 2 mètres. Attention, 3 secondes. Pachotin dans le coin, qui ressort. Bilba, ouf, qui a 2 doigts de perdre le ballon. Qui prend le shoot, c'est court. À 2 secondes, et la contre-attaque lancée par Fabien Dubos pour Roger Stellière. Force est de constater que la défense paloise est quand même est excellente depuis ce début de match et qu'elle est montée en pression sur les 2 dernières possessions de balles de Villeurbanne. Et que ça pose des problèmes à l'attaque villeurbanaise. Voilà, il faut prendre ses responsabilités. David Frigo, c'est raté. Roger Stellière encore en contre-attaque. Il va aller au bout. Le contre, non. Il y avait une faute auparavant de Zarar Pachotin. Ah, c'est un problème quasi insoluble pour l'instant pour les Villeurbanais qui, en menant des attaques longues, se font prendre dans les 24 secondes. Et en shootant en mi-attaque pour essayer de prendre ses responsabilités, si on ne met pas le panier, on prend une contre-attaque. Donc il y a un petit problème à résoudre. C'est pour ça d'ailleurs que Greg Beugnot fait son temps mort. 11 à 7 en faveur de l'élan béarnais. Ça fait 4 points et c'est Greg Beugnot qui a demandé le temps mort à 5 minutes. De la fin du premier quart-temps. On vous a parlé des séries d'invincibilité sur la présentation. Eh bien, regardez, il faut savoir que dans l'histoire de la Ligue, il n'y a que 4 équipes seulement, c'est très peu, hein, 4 équipes qui ont commencé l'année en étant invaincues pendant plus de 10 matchs. Alors, la plus belle série, c'est Limoges, le Limoges de Michel Gomez avec Ostrovski et Richard Dacoury et Fred Forte et compagnie. 23 victoires. D'ailleurs, cette année-là, ils avaient terminé avec 33 victoires et une seule défaite. Ensuite, c'est Limoges à nouveau, l'année du titre de champion de Europe. C'est pas tout à fait la même équipe, celle-là c'est plus l'équipe de Michael Young par exemple, Jim Bilba, Mark Mbaya, Willy Reden et compagnie. 18 victoires, 0 défaites. Et l'ASVEL a pour l'instant la 3e plus belle série de l'histoire, puisque l'ASVEL la semaine dernière face au Mans a passé l'équipe d'Antibes, l'équipe de Jacques Monclar en 91, l'année où Antibes a d'ailleurs été champion. Et si je ne m'abuse, quand on voit d'ailleurs ces séries-là, on les a aperçues à chaque fois les équipes qu'on a vues ont été championnes en fin de saison. Alors le tout, c'est de savoir si Villeurbanne fera comme Limoges en 90 et 93 ou comme Antibes en 91 et confirmera cette règle. Je crois que Greg Beugnot a dit récemment qu'il fallait gagner le dernier match, c'était le plus important vu ce qu'ils ont vécu les dernières années. Ouais. Et pour terminer, donc là aussi on en a parlé, mais c'est important et ça rajoute encore au piment de cette rencontre. Les 2 plus belles séries à chaque fois, c'était Limoges. En 90, la série elle s'était arrêtée à Orthez et en 93, la série elle s'était arrêtée à Pau. Donc Pau a quand même une réputation de coupeur de tête. Hein. On va voir aujourd'hui si ça se confirme ou si jamais si Villeurbanne peut se préserver et peut-être inquiéter les plus grandes séries. On vient au jeu avec Bill Edwards qui marque là son premier panier du match. Bien, Bill Edwards qu'on essaie de mettre sur orbite. Deuxième pardon du match. Oui, on essaie de mettre sur orbite par une forme de jeu particulière pour lui donner le ballon dans de bonnes conditions avec des espaces de jeu pour qu'il puisse jouer l'un contre un. Thierry McCullough, Jason Lawson, Roger Stellière. Lawson, ah ouais, pour accéder au cercle c'était pas simple là, il y a eu quelques fautes au passage.
Et c'est la volonté permanente de Pau, hein, depuis ce début de match, de donner à Lawson pour qu'il amène le ballon le plus près possible du panier, provoque des fautes. Des fautes qui sont quand même tombées depuis ce début, puisque Villeurbanne en est à 4 fautes d'équipe et Pau-Orthez a une faute. Donc à partir de la prochaine faute d'équipe, les Palois shooteront systématiquement. Jason Lawson. Et cela nous fait 5 points d'avance en faveur de l'équipe de Pau-Orthez. Alors que vous venez de le voir, donc Hartlong vient d'entrer en jeu. Hartlong, donc, il n'était pas dans le 5 majeur, c'était l'une des infos principales. Le voilà justement, Hartlong, on l'aperçoit. Et on se rend compte aussi que Pau-Orthez est allé 5 fois au lancer franc depuis le début du match et que Villeurbanne n'y est pas encore allé. Ce qui dénote aussi une certaine forme de manque d'agressivité offensive de la part des Villeurbannais. Jim Bilba qui rate son shoot à 3 points, il avait pris le rebond très long, mais il a mis aussi le pied sur la ligne quand il a voulu sonner cette balle. 4 minutes avant la fin du premier quart. Et Pau-Orthez qui a une réussite exceptionnelle. La défense exceptionnelle au moins très très bonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. 71% pour l'instant contre 50 côté Villeurbanne. Jerry McCullough à 3 points et ça continue. Et là, ça commence à grimper Jean-Pierre. Plus 8 en faveur de l'élan béarnais. On est quand même loin de la fin du match. Hein. 8 points en basket, ça peut aller vite. Mais il ne faut pas faire trop d'erreurs. Et là, voilà, Villeurbanne s'en sort bien. Laurent Sierra. Et la faute sera pour Roger Estellière. Mais dites-moi, ça fait quand même ça fait 11-2 en faveur de Pau-Orthez là. Oui. Des Villeurbannais qui subissent depuis ce début de partie, qui manque d'impact. D'ailleurs, Greg Bonnieu le notait bien sur les dernières rencontres dans ses commentaires. Il disait qu'il avait une équipe qui manquait d'impact physique face à ses adversaires, tant défensivement qu'offensivement. Et puis là maintenant les choses risquent de se compliquer parce que la rentrée de Georges Murezan n'est pas faite pour faciliter les affaires dans le secteur intérieur Villeurbanne sur le plan défensif. Et la faute pour Didier Gadeau. C'est quand même, on parle souvent, on a parlé notamment la semaine dernière face au Mans du banc exceptionnel de l'ASVEL. Mais quand on voit à Pau-Orthez que Jason Lawson, donc un Américain, sort pour être remplacé par Kitza Murezan. Oui. Star NBA et star de Hollywood également. Force, hein, là aussi, il faut se rendre compte qu'en début de saison, c'est ce qu'on disait, les gens sur la lancée continuent à dire la même chose, mais en fait, Pau, entre-temps, s'est renforcé et a modifié son effectif. Et 2 points pour Joachim Blum, le voilà. Villeurbanne à 6 points, ce qui n'est pas énorme comme différentiel, et Villeurbanne est toujours dans la course. Hein. Heureusement, encore à la fin du premier quart. C'est malheureux, on espère voir du suspense jusqu'à la fin, autant que la semaine dernière. Murezan à Claude Vergeot qui hurle auprès de M. Balabio, qui demandait 2 points avec la faute. Et ben voilà, finalement il obtient la faute plus tard. C'est encore mieux pour Pau puisque c'est sur le tir et c'est une séquence à 3 points. Voilà ce qui est mortel avec Murezan. On a l'impression qu'il est en difficulté, que Bill Edwards vraiment le pousse dans ses derniers retranchements. Il ne sait pas qui donnait le ballon et chute qu'il met dedans parce qu'il a une main phénoménale comme joueur, ça on le sait. Et en plus, il va avoir un lancer franc. Et en règle générale, il est à droit aussi au lancer franc. Eh bien, ça, c'est un problème. C'est un problème. Ouais, bon, voilà. Voilà, merci, mais ça, c'est parce que vous avez dit qu'il était à droit au lancer franc. On sait comment ça se passe à chaque fois. Quoi qu'il en soit, Pau-Orthez qui mène à nouveau de 8 points. Laurent Sierra. Avec Bill Edwards et le rebond pour McCullough. Joachim Blum a laissé filer ce ballon. Jerry McCullough. Fabien Dubos qui prend le shoot à 3 points. Fabien Dubos. Imaginez-vous une équipe avec Murezan dessous. Fabien Dubos qui peut s'écarter, shooter à 3 points avec des extérieurs qui ne sont pas aussi mauvais que ça, notamment avec McCullough, Didier Gadou, Esteller. C'est quand même une belle équipe de Pau-Orthez qui est sur le terrain face à une équipe de Villeurbanne qui a aussi du répondant certes, mais c'est vraiment c'est pas du tout la configuration de l'équipe qu'on a annoncé en début de saison. Et Hartlong qui n'aura pas fait un passage mémorable, regardez là comment il envoie promener Jerry McCullough. Bien sûr c'est une faute offensive,
et Hartlong, il est rentré. Il y a combien de temps Hartlong, je vais vous dire ça. Il y a 2 minutes 30 et il fait 2 fautes en 2 minutes 30. Jean-Pierre, on sait que c'est son péché mignon à Hartlong et ça peut poser souci à Greg Benoît parce que s'il n'y a pas Hartlong, en face de Lawson, Murezan et compagnie, ils vont avoir des problèmes, hein, les joueurs de Villarban, oui. Malgré la vaillance d'un joueur comme David Frigou qu'on vient d'apercevoir. Oui, mais en notre cas, vous savez, le problème aujourd'hui pour David Frigou, ça va être d'éloigner Guiza de Murezan de la raquette. Donc essayer de pousser, soit l'arbitre l'espère, soit l'arbitre sanctionne. Mais dès qu'on le laisse se rapprocher, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Donc il faut chercher à l'éloigner à tout prix, à tout moment. Voilà Guiza Murezan qui a été scouté par un émissaire des Knicks de New York mercredi lors du match face à Belgrade, ici même. Un scout qui a profité de cette semaine française pour voir pas mal de monde, parce que la veille il était à Paris pour voir Tony Parker notamment. Laurent Ciara qui passe et il est victime de la faute de Jerry McCullough. Et il vient de faire signe, ça c'est marrant aussi. Vous voyez, il s'adresse à la télé, Jerry McCullough, et à la caméra à l'instant pour dire non, vérifiez bien, j'ai pas fait faute. Et ben voilà, on vérifie, il suffit de demander. Et effectivement, s'il y a une faute, c'est peut-être pas la sienne. C'est peut-être pas la sienne. Quoi qu'il en soit, lancé pour Lolo Sierra. Face au péon qui agite les drapeaux, ça lui pose pas de problème. Regardez Laurent Sierra qui... Non, je ne dirai rien sur Laurent parce que je vais encore lui faire rater son lancer franc, mais voilà. Généralement, on attend la fin. Voilà. Secteur, il est à droit également. Laurent Sierra qui a poussé un gros coup de gueule. Il n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Il a fait en début de semaine dans Le Progrès, le journal à Lyon, et là en fin de semaine dans La République des Pyrénées, le journal à Pau, pour être sûr que tout le monde soit bien au courant. Là, c'est manqué pour Guiza Murezan, en disant tout simplement que, le voilà Laurent Sierra qui remonte le ballon, que l'ASVEL ne joue pas en équipe actuellement, et même si ils sont leaders du championnat de France, c'est pas pour autant que cette équipe est une équipe. Il a des mots très durs qui peuvent choquer quand on n'est pas dedans, mais quand on en parle Greg Bugno, il est plutôt d'accord avec ça, dit-il. Et la faute de Joachim Blum. Voilà, retour au jeu rapide côté Villeurbanne. C'est sûr que quand on a Guiza Murezan au rebond pour relancer le ballon, c'est extrêmement facile. Et il serait stupide de ne pas exploiter ce secteur. Ce qui donne une force de plus, une palette de plus au jeu palois. Avec l'entrée de Fautou, il faudra faire attention au tir extérieur également. Didier Gadou au lancer. Didier Gadou qui a été élu cette semaine joueur palois de la décennie. C'est un bel honneur quand on sait quand même toutes les stars qui sont passées par Pau Orthez. Et sur le podium, aux côtés de Didier Gadou, on a également Antoine Rigaudot en numéro 2 et Freddy Fautou en numéro 3. C'était lors d'une belle cérémonie, d'une belle fête d'ailleurs derrière, mercredi soir, pour fêter les 10 ans de l'emménagement d'Orthez à Pau. Là, c'est Bill Edwards qui marque, puisque c'était il y a 10 ans, à quelques jours près, que l'Élan Béarnais, enfin l'équipe d'Orthez est devenue l'Élan Béarnais Pau Orthez. Avec un aménagement dans ce magnifique palais des sports qui évidemment aujourd'hui est à guichet fermé. Guiza Murezan, eh oui. Quelle main. C'est simple, hein. Je crois que dans toute l'histoire du basket, on n'a jamais vu un géant avec d'aussi belles mains. Oui, d'ailleurs, ce qui me fait dire que c'est pas forcément... Hein, parce que quand on parle de géant, il y a une connotation un peu péjorative, c'est-à-dire... Ah oui, que, c'était pas loin de moi cette idée. Ouais, Alors on va dire, jamais dans l'histoire du basket international, on a vu un joueur de 2m20 ou plus avoir d'aussi belles mains, ouais, ça tout va tout à fait, oui, c'est le moins que vous puissiez dire, effectivement. Et à 3 points, c'est Joachim Blum qui a fait une belle rentrée. Hein. Alors pour l'instant, côté Villeurbanne, c'est Edwards qui en est à 7 points et meilleur marqueur. Et côté palois, c'est Murezan, donc avec 6 points. Et suivi de Didier Gadou derrière, 5 points. Pour une équipe paloise à 75% de réussite, toujours contre 50% côté Villeurbanne. Ça n'a pas trop bougé depuis le début. 27-18, 4 secondes à jouer. Il vient à droite. D'accord, côté de gain gauche, il est moins bon. D'accord, donc interdit le bug sur le transfert. Attention, watch 4 secondes, ok. 3 secondes, d'accord, position, Laurent, Peter, Hill, Joe et David. We want one, only the one, they touch the ball here. Ok, 4 secondes after, no foul. D'accord, no foul. Denied,
nous lui venions. Okay. Attention sur watch for the long pass. Okay. But we want the change de ball here. Oui, il reste 4 secondes donc derrière et Greg Bonnio demande à ce que les Villeurbanais se mettent en zone presse 2-2-1 pour ralentir le ballon sur les 4 secondes. Sans faire de faute et en faisant attention à la passe longue qui peut être fatale. Alors que Estellière attend complètement dans le coin. Là, c'est ce il faut remonter la balle très vite avec Jerry Maculot. Voilà, 3 secondes. Jerry Maculot, Estellière à 3 points. Wow, c'est court! Quel shoot d'Estellière qui était complètement dans le coin. Il n'avait pas été oublié par la défense villeurbanaise. Il a pris un shoot très dur. Il a bien failli le rentrer ce shoot. À l'arrivée, c'est raté. Et pour Orthez qui mène quand même de 9 points. 27 à 18, c'est le score à la fin du premier carton. Au bord du parquet, on l'a aperçu lors du coup d'envoi, il y a un champion olympique aux côtés de David Bielski. Effectivement, David, je suis avec le champion olympique de canoë, médaillé d'or à Sydney. Félicitations d'abord. Merci. Alors, tu es natif de Pau. Depuis quand tu suis l'élan? Ça fait maintenant une dizaine d'années, depuis en fait la création de ce superbe Palais des Sports. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je suis un petit peu le basket à Pau. Avant, c'est vrai que les chocs, c'était plutôt entre Pau et Limoges. Bon, cette année, c'est un petit peu différent, c'est peut-être avec l'ASVEL, mais je vois qu'il y a toujours autant d'ambiance et que le spectacle est toujours aussi beau, donc c'est bien. Alors, tu étais à Sydney, on t'imagine que tu étais occupé, mais est-ce que tu as pu suivre des matchs de l'équipe de France pendant que tu étais là-bas? Ouais, bien sûr, ouais. Moi j'ai eu la chance de passer au début, donc c'est vrai qu'après j'ai pu suivre tous les Français dans toutes les épreuves, et particulièrement le basketball parce que j'aime bien ça. Donc j'ai été suivre plus particulièrement Thierry Gadou, parce que c'est un ancien palois, Antoine Rigaudot, Rizaché, parce que bon, ils sont tous passés à Pau. Mais ouais, c'était super, vraiment, contre les Américains, et puis même la demi-finale, c'était génial. Ouais. Ouais, très bien, félicitations et bonne chance pour bonne continuation. Voilà. Merci. Tony Estanguet, c'est un peu les Gadou du ouais. Kayak finalement. Hein, oui, tout à fait. Les deux frères. Estanguet qui tous les deux sont au plus haut niveau mondial comme les deux frères Gadou. Vous savez que Thierry a rejoint l'été dernier l'Italie. On a vu quelques statistiques. Ouais, statistiques qui en disent long sur le pourcentage de réussite des Palois, 69% contre 50%. Puis on voit aussi du 7 sur 8 dans les tirs à 2 points, 88%. Mais il faut savoir que tout ça vient essentiellement de la prestation de Guy Tamurezan qui a été assez impressionnant dans ce secteur. Et un retour donc, par une faute de Joachim Blum. Alors aussi paradoxalement que cela puisse paraître, il s'avère qu'à l'heure actuelle, Villeurbanne domine au rebond par rapport à l'équipe de Pau. Et c'est un secteur qui tienne bien, même si on essaie de leur poser des problèmes en défense côté Villeurbanne, côté palois. Voilà. Et la faute sur Florent Pietrus qui essayait d'attaquer le cercle. La faute sera pour David Frigou. C'est le premier joueur du match à 3 fautes, David Frigou. Et c'est ainsi que Hartlong va revenir sur le parquet à la place de Frigou, alors que Pachoutin revient lui pour remplacer Peter Hoffman. On est en train de s'user dans ce secteur en défense. Pas évident, vraiment. Pas évident, comme le disait Greg tout à l'heure, sur son temps mort, il faut bumper assez loin. Sur les transferts notamment, il ne faut pas l'oublier, le grand Guizda. Premier lancer franc réussi pour l'aîné des deux frères Pietrus. Un sur deux et rebond pour Hartlong. Laurent Pluvy. Bill Edwards. Oula, oui, il va. Un coup de sifflet. Belle action. Mené jusqu'au bout avec un tir lancé franc supplémentaire. Villeurbanne qui en est à 2 fautes d'équipe se permet comme ça de temporiser un petit peu puisque Pau en sera sa première. Au lancé franc, Bill Edwards. Guizamurezan a pris le rebond. Freddy Fautou.
Jérémy Maculot. Voilà, toujours Murezan. Toujours Murezan qui va chercher le panier. Et puis ça rentre. Et voilà. Et puis ça rentre. 28 à 20. David Bielski, vous êtes au bord du parquet, vous avez vu quelque chose, paraît-il. Voilà, effectivement, David, je suis juste à côté du banc de Villeurbanne. Et alors, Hartmann, après son entrée, la première fois, entrée très courte, quand il est rentré sur le banc, Jim Bilba a dû le remotiver parce qu'Hartmann, apparemment, n'était pas du tout dans le match. Peut-être parce qu'il était déçu de ne pas être dans le 5, on n'en sait rien. Et bien, justement, oui. C'est lui, Hartmann, là, qui marque. Sous le nez de Murezan, il va chercher un rebond offensif. Quasiment dans les mains de Murezan, il remet dedans. C'est quand même assez beau comme geste et comme prouesse. Jérémy Maculot et Laurent Pietrus, c'est la faute de Laurent Pluvy. Ah oui, on sait que c'est Hartmann, on sait que c'est un joueur formidable. Il a déjà fait un carton à 34 points dans le championnat de France cette saison. Le voilà. Mais bon, on sait aussi qu'il est... Il a ses space, hein, quand même. Mais voilà, quand il veut, il peut. Voilà, quatrième faute sur Murezan pour Hartmann. Non, la troisième. Oui, effectivement, je... Déjà, c'est pas mal. Hein. Trois fautes en 4 minutes. Hein. Troisième. Et là, rayé de la carte, et là, il a la tête baissée. Voilà. David, vous disiez, voilà, ça pose un problème. Ce type de joueur qui est phénoménal dans ce secteur, il doit savoir que s'il cherche à contrer Murezan, il a une chance sur deux, voire deux chances sur trois de faire faute systématiquement. Il ne faut pas qu'il cherche à le contrer, il faut qu'il cherche à le contrôler, le laisser à l'extérieur, faire semblant de lui mettre la main sur le visage. Mais chercher à le contrer, c'est se mettre en difficulté, forcément. Ben là, il s'est mis en difficulté, mais le problème, c'est qu'en même temps, il met son équipe en difficulté. Deux lancers francs pour le grand Guizza. Et on monte à plus 10. Et le faute du ballon, c'est Florent Pietrus. Et regardez comme Guizza Murezan en leader. Ah, c'est vrai qu'il a un CV qui parle pour lui quand on a plusieurs saisons de NBA. Je pense. Regardez comme il vient remobiliser. Voilà l'image. Merci Yvan Modenès. Elle est superbe celle-là aussi. Il vient remobiliser ce grand jeune qui a 20 ans seulement et qui vit là sa deuxième saison pro complète entre guillemets. Voilà. Ils avaient explosé l'an passé. Du coup, ça sera le retour de Fabien Dubois sur le terrain qui remplace Florent Pietrus qui a fait sa deuxième faute et Claude Bergeau va chercher à le gérer. Roger Stellière, Jerry Maculot. Rigou qui essaie de contrôler Murezan qui bien évidemment. Le show Guizza Murezan qui en est déjà à 12 points à 4 sur 5 au tir. Je pense que Murezan était extrêmement motivé dès la semaine dernière puisqu'après le match contre le PBR sur sport24.com il a dit contre l'ASVEL on gagnera. Ah, il a été affirmatif. Bon, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit tiens, il est là, il est présent, hein, il est en train de montrer la voie. Les balles perdues, deux balles perdues seulement par l'équipe de Pau en 13 minutes. Pour l'ASVEL, déjà 7, effectivement, ça fait beaucoup. Ça aussi, c'est l'une des clés de cette partie. L'écart qui est monté à plus 12 et le record d'invincibilité de l'ASVEL qui est en danger actuellement. Pour qui a toujours sa fabuleuse réussite au tir en adresse générale, 73%, ce qui est quand même remarquable, 50% à 3 points, 67% à 2 points extérieurs et 88% à 2 points intérieurs, bref, c'est partout. Bah regardez, dans le deuxième carton, Pouhantez. Oh, c'est pas vrai ça. C'est vrai ça, ouais. Pouhantez n'a pas raté le moindre tir dans le deuxième carton. Cherchant bien, mais... Eh oui, effectivement. Il semblerait. Ça aussi, c'est l'info qui tue. Pendant qu'Ivan Modenès vous montre un festival de Guizza Murezan, bah, il n'y a quasiment que lui qui marque dans ce deuxième carton. 4 sur 5, hein. 80%. Ouais. Vraiment, il peut pas faire mieux, sinon faire 5 sur 5. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un joueur qui, en NBA, a tourné pendant une saison à 14 points et 10 rebonds de moyenne hein, avec... l'équipe de Washington, c'était en 96. D'ailleurs, il avait été élu joueur ayant le plus progressé à l'époque. La balle pour Laurent Pluvy.
des Villeurbanne. Laurent Pluvic qui a failli être intercepté par Thierry Maculot qui ne marque pas. Et la contre-attaque. Thierry Maculot tout seul, il fait un marché, Thierry Maculot, ouais. Ah, le public a beau protester, il me semble bien. Oui, oui. Oui, je crois aussi. Oui, tout à fait. Il a été trop gourmand. Regardez, 1, 2, 3. Il n'y a pas dire. D'autre. Rien à dire. C'est dommage, hein, c'est dommage. Oui. Le spectacle peut venir après le fait qu'on ait assuré les choses, mais avant, à mon avis, c'est risqué. Un match comme ça, c'est quand même très important. Et là, c'était quand même une balle pour monter à plus 14. 14. Laurent Pluvic. Avec Bill Edwards. Joachim Blum. Blum, oula. Laurent Pluvic qui se retourne et qui shoot, c'est très difficile. Rebond pour les Villeurbanais avec Bill Edwards, victime d'une faute. Et il va avoir, non pas des lancers, la balle ligne de fond, dit Philippe Malabio. Il dit que cette faute, bah, il l'a eu. Oh ouais, ça se discute. Et ce sera un Michael Pietrus qui fait la faute. Et Bill Edwards qui lui dit, là il va lui lancer. Et c'est vrai qu'il était peut-être en situation de tir. Bon, bref, quoi qu'il en soit, la balle. Ligne de fond pour l'ASVEL avec Pachutin, Laurent Pluvic. Pachutin, Bill Edwards, Bilba. Bilba, quelle jolie passe pour David Frigou qui rate complètement son tir. Maculot. Dur d'aller dessous, dur. Hein. On a vraiment la tour de contrôle. Oh là, Maculot qui est passé. C'est superbe. C'est magnifique. Il a tout fait. Il a tout fait. Il s'est bien rattrapé en tout cas de sur ce match raté tout à l'heure. Ouais, bien, il n'a pas pu donner, il a pris ses responsabilités, voyant qu'il ne pouvait pas faire la passe décisive qu'il cherchait sur Fabien Dubos. On risquait, voilà, parfait. C'est complètement manqué, Bill Edwards, qui va encore voir Philippe Malabio pour lui demander la faute. Allez, il faut qu'il se reconcentre sur son âge, Bill Edwards, parce que s'il en sort, eh ben, il ne restera plus grand monde du côté de l'ASVEL pour essayer de recoller au score. Je pense aussi qu'il faut que les Villeurbanais soient plus patients que cela, parce qu'ils cherchent à sauver à tout prix le match en précipitant les choses. Photo, Murezan, c'est raté. Rebond Villeurbanais. Bien défendu quand même sur Murezan. Par David Frigou. Bien défendu. Laurent Pluvic. Bill Edwards sur la ligne des 3 points. Il prend un shoot très difficile, c'est manqué. Rebond Thierry Maculot qui est monté bien haut. Thierry Maculot qui stoppe, qui shoot, qui marque. Thierry Maculot, il est chaud brûlant. Alors là, je vais vous dire, hein, quand avec Murezan, quand ça ne marche plus, Maculot s'y met. Il y a toujours un joueur côté palois qui prend le relais et ça va faire très mal parce que côté Villeurbanais, on ne rentre pas coup pour coup. Alors que les palois, sur chaque coup manqué côté Villeurbanais, ils rentrent. C'est un 8-0 pour les Palois, Jean-Pierre. Ah oui, ça commence à devenir délicat pour Villeurbanne. Ça commence à sentir le Waterloo à plein nez, surtout. Et la balle sera pour l'ASVEL. Villeurbanne s'en sort bien. 38 à 22. L'équipe de Pau n'est pas loin d'avoir le double des points de l'ASVEL, pourtant invaincue en championnat de France jusqu'à présent. Et maintenant, le retour de Roger Esteller à la place de Fred Cotou. Alors même si Pau était favori de ce match, paradoxalement parce que c'est l'ASVEL qui est invaincu, on ne pensait pas que ce serait dans des largeurs pareilles. Et là, tout Villeurbanne est à la rue. Hein. Quand on voit Laurent Pluvic, qui est l'un des meilleurs joueurs français de la saison, qui fait comme ça un airball, on sent que c'est dans la tête. Hein. Il y a une prise de confiance là, sur ce coup-là. Je crois que les Villeurbanais accusent le coup là, de ce premier mi-temps. Il faut qu'ils se ressaisissent parce que rien n'est... Là par contre... Fabien Dubos, c'est manqué. Et oh Thierry Maculot. Gourmand le qui débarque. Oh là 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 là. Gourmand et ça marche, ouais. Posé ça, effectivement, regardez, il vole le ballon, il est complètement dos au cercle et en l'air, il arrive à se retourner et marquer tout en restant en équilibre. C'est très costaud ce qu'il fait là, il a une série exceptionnelle. Ce qui prouve que la confiance des Palois est vraiment au top. Mentalement ils sont au top, voilà. Et David Frigou qui interrompt ça. Ça faisait 10-0 hein, je crois. Oui, ils l'ont relancé Franck Ipuzé. Avec le retour de Lawson maintenant pour faire souffler Guita Murezan. Ah non, c'est pas Lawson, il change son fusil d'épaule. Claude Bergeau, il fait rentrer Bazingue.
Vincent Mazingue qui va essayer de contenir Jim Bilba et David Frigou. Frigou au lancer. Et rebond offensif pour David Frigou. Voilà un rebond qui fait du bien. Laurent Sierra, quelle jolie passe pour Peter Hoffman qui se fait sabrer derrière et qui va donc avoir deux lancers francs. Allez, pas de panier facile, on lâche rien. Peter Hoffman qui n'a pas marqué un seul point pour l'instant, il en est à 0 sur 1. Je suis un peu étonné parce que Laurent Sierra ne prend pas de shoot alors qu'il en prenait beaucoup plus en début de saison. Ouais. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien en ce moment. Bah, il se cherche un petit peu. Quoi. C'est ce qu'on voit, il essaie de faire jouer l'équipe, du moins c'est une volonté guerre de sa part. Il faut que Villeurbanne trouve quelqu'un pour les tirer de là. Quoi, hein. Ils sont un peu à la recherche de celui qui va leur donner la bouée d'oxygène. Ah, c'est clair qu'à l'ASVEL il y a 9 joueurs très forts et même un dixième qui le sera sûrement un jour à Marassi. Mais... maintenant, le tout, c'est de savoir qui va avoir les épaules pour prendre cette équipe. Jerry McCuno. Question dont il faudrait trouver la réponse avant la fin du match. Jerry McCuno qui prend le shoot. Le rebond. Oh, il n'a pas de réussite. Vincent Mazingue, ouais, sur la claquette. C'est une vraie claquette. Ça va pas shooter. Il marque sur la pénétration. Et temps mort, alors que le score est de 40 à 28. Villeurbanne, là, qui vient à son tour de faire une petite série et qui revient à 12 points. Attention, attention. Et là, je me parle à moi-même, en fait. N'enterrons pas les Villeurbannais trop tôt. Il y a de la ressource dans cette équipe. Je le pense. C'est vrai que l'écart est monté très fort, mais regardez comme en 2 minutes, même pas 1 minute 30, Villeurbanne est revenu assez près. C'est ce qu'a pensé Claude Bergeon en demandant son temps mort, en se disant attention, il y a danger, il faut que je calme les opérations, que je revois tout ça. Allez, Greg Bonio. Blocage du rebound. Ok. Jouer large, il y a des espaces. En plus, t'es d'être profond là-haut. Week-end bien agressif. D'accord ? Soyez bien agressif. Play wide, Zakar, wide. Ok, Langdon, point du veille de fixation. Week-end transfert. Hey, ne cassez pas le rythme. Allez, contre-attaque. Allez, allez, go. Voilà, c'est Villeurbanne qui essaye de retrouver leur basket. David Arbané qui domine au rebond quand même, ça paraît, ça paraît comme ça bizarre quand on regarde le match, on pourrait imaginer l'inverse, en fait ils sont à 17 rebonds contre 13 côté palois, donc ils prennent les balles essentielles au rebond défensif, ils sont surtout dominés quand il y a Murezan côté palois, surtout dominés en défense, et comme Murezan réussit quasiment tous ses paniers, eh bien... Fabien Desbosses, Jerry McCullo. Jérémy McCullo. Et ouais. Que dit l'arbitre? Pote, à mon avis. Pour Zahar Pachoutine, alors. Ouais, le voilà, Zahar Pachoutine. C'est vrai, les deux lancers. Zahar Pachoutine qui est difficile à cerner parce qu'il peut faire des matchs énormes et puis après passer complètement au travers. Il a un rendement un petit peu irrégulier cette saison. Ouais, ouais. C'est un joueur qui a également besoin d'être dans... J'ai eu peur que vous alliez dire c'est un russe. Le fait que les russes sont parfois assez vides. Non, quand même pas. J'aurais pu le dire aussi. J'aurais pu le dire. Mais je voulais pas vous l'enlever de la bouche parce que je voulais que vous rebondissiez justement. C'est pour ça que j'ai traîné et je crois que vous avez réagi. Et Peter Hoffman qui intercepte ce ballon. Et Jerry McCullo qui était revenu aussi. Il ne fait pas la faute mais la balle sera quand même pour l'ASVEL. Ouais, c'est un bon repli défensif. Non, loin de nous l'idée de faire du racisme entre eux, surtout, mais c'est vrai qu'on connaît comment ils appelaient ça, le confrère de l'équipe, là, c'est pas la doucha, c'est ça, quelque chose comme ça, là, l'âme russe qui fait que, il y a des fois, on éteint la lumière. Jim Bilba. Voilà, et Villeurbanne retrouve du rythme. Villeurbanne essaie de bien fixer pour essayer de trouver des solutions. Ça a l'air de revenir. Le petit problème, c'est que maintenant, défensivement, chaque faute sera sanctionnée par deux lancers francs, donc le rythme va être cassé et ça va peut-être rendre leur retour plus difficile que s'il avait amorcé en ce début plutôt de deuxième carton. Il y a Kiplom qui marque son cinquième point.
premier lancer franc, donc réussi. En fait, c'était le 6e et il marque son 7e point. C'est un bon passage. Comme il a fait des bons passages récemment sur Pro League d'ailleurs. Olivier Gadeau. Olivier Gadeau face à Pachoté dans difficulté. Il trouve Jérémy Maculot. Estellière à 3 points. Oh là là, c'est fort! C'est très fort ce qu'il réussit, le taureau catalan! J'étais en train de penser justement avant Estellière shoot. Je me disais pour Claude Bergeau maintenant, il reste un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 29 de temps à jouer. Pau mène largement, enfin de 11 points à ce moment-là. Et je me dis, comment va-t-il faire pour trouver l'équilibre dans son équipe, pour gérer cette avance et continuer à jouer, ne pas se laisser remonter face à une équipe de Villeurbanne quand même qui monte en pression. Bien voilà, il a suffi que... Oh, séquence à 5 points! Et là, c'est pire pour Villeurbanne. Séquence à 5 points! Il y a eu les 3 points, plus le lancer franc bonus. C'est manqué, la claquette de Mazingue. Séquence à 5 points, c'est très très rare. Et ça fait très mal. Oui, ça fait mal aux dents. Hein. Ça fait très mal. Là, il faut qu'il mette. Peter Hoffmann, c'est manqué, qui prend cette balle finalement. C'est Philippe Malabio. Qui va faire l'entre-deux. Il y avait 11 points d'écart. Boum, on est à 16 maintenant, points d'écart. À un peu plus de 2 minutes de la mi-temps. Et puis, ce qu'on n'a pas encore annoncé, Jean-Pierre, 3 intérieurs sur 4 à Villeurbanne sont à 3 fautes. 3 joueurs dans la raquette sont à 3 fautes. Blum, Frigou et Hartlund, bien sûr. Ce qui va se payer cher, à mon avis, en deuxième mi-temps, à moins que Villeurbanne fasse deuxième mi-temps parfaite. Là, et Jim qui sort ce ballon proprement. Laurent Sierra qui joue intérieur pour Jim. Oh là là, c'est terrible pour Jim. Ça doit être le 5e ou 6e ballon qu'il doit perdre là. Il me semble. Le 6e. Et récupéré par Mazingue. Avec Jérémy Maculot. Jérémy Maculot, le festival Jérémy Maculot qui fait marcher. Mais écoutez, je pense que l'arbitre a considéré que Maculot étant mal embringué, il a feinté une faute pour s'écraser. Et j'aurais tendance à penser comme M. Castano. Et balle perdue par les Villeurbannais. Ce qui dénote une bonne connaissance du basket de M. Castano, parce qu'en fait, il ne faut pas se laisser prendre à ce type de piège. Et je crois qu'il a raison. Vous voyez, il était mal parti. Et il n'a eu plus personne pour qui faire la passe. Peut-être qu'il y a un contact aussi malheureux. Didier Gadeau face à Pachotine. Roger Estellière, Dauxerre se retourne, Estellière, et il y a Fabien Dubos, c'est manqué. C'était bien joué. Laurent Sierra avec Zara Pachotine qui est victime d'une faute, celle de Didier Gadeau qui lui demandait un passage en force. Ah, c'est toujours délicat de siffler ce genre de faute. Y a-t-il passage en force? Y a-t-il faute? Quoi qu'il en soit, l'arbitre a jugé et ce sera lancé franc pour Pachoutine. Voilà un Pachoutine qui. Il va tirer son premier lancé franc du match. Il le met. Alors Bill Edwards qui va revenir sur le terrain remplaçant Pachoutine pour cette dernière minute de jeu. Edwards qui n'a qu'une faute personnelle pour l'instant. Jerry Maculot, Roger Estellière, Freddy Fautou à 3 points dans le coin. Gamel, ça ressort, Jim Bilba qui sauve ce ballon pour l'ASVEL. Blum, nous sommes dans la dernière minute de cette première période, ou plutôt de ce deuxième carton. Laurent Sierra. Le public demande à marcher. De toute façon, le rebond est pour l'équipe de Pau. Et derrière, il y a une faute. Eh oui, Blum qui fait sa 4e faute sur ce coup. Ce qui ne facilite pas les choses. Qui ne facilite toujours pas les choses à l'intérieur côté Villeurbanne. Fabien Dubos qui
lui aussi va se retrouver au lancer franc pour shooter ses premiers lancers du match. À 30 secondes, 32 exactement, de la mi-temps. Fabien Dubos qui rate le premier, il est un peu court. Voilà, derrière moi, il y a le président qui n'est pas content du lancer raté par Fabien. Voilà, Fabien il a entendu, alors il a mis le deuxième. Et la balle remontée par Laurent Sierra. 25 secondes à jouer et un peu moins sur la possession. Il y aura de toute façon un dernier ballon pour l'élan béarnais. La faute de Freddy Fautou sur Peter Hoffman. Faute qui est effectivement. Et donc avec 19 secondes à jouer, ouais. Le dernier ballon pour l'ASVEL. Ben non d'ailleurs, autant pour moi. Autant pour moi, puisque effectivement on a fait plus de 5 fautes d'équipe et donc c'est lancé franc direct. Et donc il restera 19 secondes à l'élan béarnais. Ah, il faut mettre les lancers, hein. Surtout quand on est en difficulté. Ça devient capital. Surtout dans cette situation là, effectivement. 1 sur 2 pour Peter Hoffman. Et 19 secondes. On a le temps de remonter ce ballon tranquillement. Freddy Fautou. Roger Stellière, prise à deux sur Roger Stellière qui arrive à redonner à Jerry McCullough. Il a un œil sur le chrono, il reste 6 secondes. Vous voyez aussi sur votre écran, c'est Jerry McCullough qui va prendre le dernier shoot. Il est mal embarqué face à Laurent Sierra et c'est raté. Ah, là en revanche, il a complètement raté sa dernière possession, là, Jerry McCullough. Il le sait, il se gratte la nuque, il part directement au vestiaire. Il a compris que ça ne ferait pas le bonheur de Claude Bergeau. 47 à 33, cela nous fait plus 14 en faveur de l'élan béarnais. David Bielski au bord du terrain. Voilà, je suis avec David Frigou. David, Georges Muressan, vous avez fait provoquer des fautes, 10 fautes pour les intérieurs villeurbanais, c'est pas évident contre Georges. C'est sûr que bon, ils nous ont sifflé des trucs qui n'étaient pas très évidents. On essaye de le contenir dans son cylindre inférieur, c'est-à-dire ses jambes. Maintenant, c'est vrai qu'il est lourd, qu'il est grand. C'est à nous de gérer ça et d'essayer de moins faire de fautes et pourtant l'empêcher de marquer comme il fait. D'accord, merci. On va laisser David Frigou retourner au vestiaire. Nous, on va passer une petite page de pub. Restez avec nous puisque juste après cette publicité, comme d'habitude, on ouvrira un dossier qui est lié à la ville ou à la région qui nous accueille. Et d'ailleurs, on vous laisse la surprise. Tiens, bien sûr, David Bielski aura un invité comme d'habitude. C'est dans deux petites minutes. À tout de suite. Le basket sur Pâté Sport, ça se déguste avec Justin Bridoux. Bomcamol est un médicament réservé à l'adulte. Il frappera à bout portant. Le championnat du monde de handball, bientôt sur Pâté Sport. En Euroleague, il y a des regards qui ne trompent pas. Cette saison, les meilleurs Français font le bonheur de l'élite européenne. Du Kinder Bologne à Vitoria, en passant par l'Olympiakos, ils font aussi le vôtre sur Pâté Sport. Un combat de géants attend les teneurs du basket européen. Saint-Pétersbourg, Kinder Bologne, c'est mercredi à 16h en direct sur Pâté Sport. Le basket sur Pâté Sport, ça se déguste avec Justin Bridoux. Retour au Palais des Sports de Pau, 47 à 33 en faveur de l'élan béarnais face à l'ASVEL dans ce grand choc du championnat de France entre le leader et son dauphin. Comme pour chaque mi-temps de championnat de France Pro A, on va s'intéresser à l'un des acteurs du basket français. On sort du parquet pour voir un petit peu toutes les catégories qui sont concernées par le basket en France. Et aujourd'hui, on va parler partenaire économique. Et ça tombe bien parce que justement, Pierre Seillon a été piégé par le coup de fil piège du même nom dans l'équipe magazine. C'était hier à propos de son partenaire principal. Vous voyez d'ailleurs sur l'écran ici
ce coup de fil piège à propos justement du Sud-Ouest où on s'enorgueillit de plutôt bien manger façon José Bové, et le partenaire c'est Quick, et justement Alain Béral, le patron de Quick, c'est l'un des plus anciens partenaires et l'un des plus fidèles, et c'est aussi l'un de ceux qui met le plus d'argent. Il est aux côtés de David Bialski. David. Voilà David, on ne peut pas avoir de sport de haut niveau sans sponsor. Alors aujourd'hui notre invité est le PDG de France, c'est Alain Béral, le PDG de Quick. Bonjour. Alors avant de parler un petit peu, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Votre société donne 10 millions de francs au championnat de France de basket. Derrière cette somme d'argent qui est quand même énorme, il y a une passion. Nicolas Bayou nous propose un sujet sur la passion d'Alain Béral, le basket. Quelqu'un avec qui il est très facile de parler de basket, entre autres. C'est quelqu'un de très authentique par rapport à sa passion du basket, c'est important, et la plus grande valeur c'est sa fidélité. Alain Béral fait presque l'unanimité dans le milieu du basket. Le président des restaurants Quick a découvert il y a 17 ans ce sport à Orthez, à la Moutette, et depuis son entreprise est devenue le sponsor numéro 1 du basket français. 10 clubs de proie, 4 de Pro B et 2 de la Ligue féminine sont sponsorisés par sa chaîne de fast-food. Un investissement important qui symbolise la passion de ce tarné de 47 ans pour la balle orange. La passion est venue petit à petit, elle est montée, ça n'a pas été un coup comme ça immédiat, mais ça s'est accroché très fort et je suis effectivement maintenant passionné de basket. C'était un match contre Bologne, c'était le deuxième match en fait contre Bologne et où l'équipe de Pau a fait un match extraordinaire qui était... où elle a prouvé en fait qu'on pouvait gagner contre un géant. Toutes les secondes de ce match sont restées imprimées dans mon esprit. Il y avait Antoine Rigaudeau qui était revenu sur le parquet. Tout le monde avait fait un match qui restait vraiment imprimé dans toutes les mémoires. Et c'est Didier Gadou, parce que je le vois souvent, qui a un comportement exemplaire dans le sens étymologique du mot exemplaire, c'est-à-dire pour un exemple pour tous les autres, un vrai capitaine, beaucoup de recherches dans le comportement, que ce soit en dehors de l'équipe ou dans l'équipe, et je pense que beaucoup de jeunes doivent beaucoup à observer Didier Gadou. Je pense que je me serais plutôt éclaté dans un métier de coach qu'un métier de joueur. Parce que c'est peut-être par affinité, ou j'aime bien aider les autres, j'aime bien les aider à réussir. J'ai pas de talent de basketteur, ça c'est clair. Je pense avoir quelques dispositions pour coacher les autres. Donc, mais par affinité, je pense que j'aurais préféré être coach, oui, ça c'est clair. Je vais au basket 2 à 3 fois par semaine, en France ou en Belgique, ou ailleurs d'ailleurs, ou en Hongrie. Mais pas seulement pour voir des équipes professionnelles, je vais voir des minimes, je vais voir des cadets, je vais voir des filles à Bourges, mais aussi à Chartres. Et puis je lis l'équipe, parce qu'il y a des très bons articles dans l'équipe sur le basket, et un très bon journaliste. Et je lis aussi Basket News toutes les semaines, ma femme aussi, elle reçoit à la maison. Ce qui m'a marqué, ça va peut-être vous surprendre, c'est j'ai un gamin de 7 ans qui fait, mon fils qui fait déjà du basket. Et alors, à chaque fois qu'il shoot, il shoot et puis il me regarde comme ça pour être sûr que je l'ai bien vu et que je peux faire un commentaire sur ce qu'il vient de faire. Donc ça me reste beaucoup parce qu'en fait, il a le geste déjà du basketteur que lui a appris d'ailleurs Michel Gomez, parce que quand il vient à la maison, il le coache un petit peu. Et ça me reste beaucoup parce que c'est de l'émotion pure en fait. Hein. Et pendant qu'on voit Antoine Béral à l'écran, le fils d'Alain Béral dont vous faisiez allusion, on a vu la passion que vous avez dans ce sujet pour le basket. On peut se demander finalement, ne vous utilisez pas le basket pour vous faire plaisir peut-être d'un côté ? Pour me faire plaisir, je vais le voir le basket. Apparemment le micro ne marche pas alors. Pour me faire plaisir, je vais voir le basket surtout. Donc je vais dans les salles, je vais dans toutes les salles que je peux en France et aussi à l'étranger. Et puis je suis beaucoup de jeunes aussi.
D'accord. Finalement, le micro marche. Alors, la deuxième question, vous n'êtes que PDG, si on peut le dire. Alors, vous devez répondre aux actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas des dissidences parmi votre société qui dit, bon, vous dépensez peut-être un peu trop sur le basket ? Eh bien, le choix de Quick pour le basket, évidemment, ça ne se fait pas uniquement par le PDG. Le PDG, il défend un projet. Nous avons voulu nous intégrer localement. Nous avons défendu l'idée que le basket pouvait nous contribuer à nous intégrer localement auprès des populations que nous servons tous les jours. Et il y a des Quick dans toutes les villes de France, y compris les plus petites. Et je crois que les actionnaires, comme d'ailleurs les équipes de Quick, car il faut qu'elles soient convaincues, il y a 12 000 personnes qui travaillent pour nous en France aujourd'hui, eh bien, nous l'avons expliqué, elles ont été séduites. Et ce n'est pas seulement le PDG qui a décidé ça, il l'a défendu et tout le monde l'a accepté. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites vis-à-vis de la corrélation qu'il y a entre les dépenses que vous faites sur le basket et finalement les ventes d'hamburgers ? Bien sûr, nous faisons des études à l'interne d'abord, parce qu'il faut que nos équipiers évidemment s'y retrouvent. Mais nous avons mesuré aussi la notoriété de notre enseigne là où nous avions investi dans le basket, localement donc et pas nationalement. Nous nous sommes aperçus que le basket apportait vraiment quelque chose. Mais si le basket rapportait autant, on peut se demander, ça serait. Alors on vous imagine peut-être sur un terrain de golf ou dans un resto avec les connaissances d'autres PDG. Est-ce que vous leur dites ? Peut-être vous devriez investir dans le basket comme moi je le fais ? Ben, je rencontre beaucoup de PDG, on ne parle pas forcément des choses de basket, mais quelquefois, c'est vrai. Cependant, je voudrais dire que la démarche de Quick est un peu différente de celle des chefs d'entreprise qui ont rejoint le basket dans le passé ou encore aujourd'hui. Ils recherchent essentiellement, évidemment, un forum pour leur enseigne au niveau national, alors que nous recherchons une accroche locale ou une multi-accroche locale. Et ça, c'est la grosse différence. Parce que ça nous permet évidemment d'être vus nationalement par la multiplicité des contacts locaux, aussi bien dans les petits clubs que dans les grands clubs. Les grands clubs, eux, faisant évidemment le lien entre tout ça et la visibilité à la télévision comme aujourd'hui. Mais pour nous, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens des petites villes dans lesquelles nous sommes, de Pro B, de National et même des clubs de Minim et de Cadet, connaissent Quick et savent que Quick peut leur apporter un soutien pour ce qu'ils aiment localement. Et on sait aussi que les PDG, ils aiment diriger. Dans le futur, est-ce qu'on ne pourrait pas vous voir en tant que passionné de basket, peut-être président, bon, prendre le successeur aussi à Pau ou peut-être à la Ligue ? Alors, il est clair que si je devais faire autre chose que Quick ou quelque chose à côté de Quick, eh bien, j'aimerais bien que ce soit évidemment dans un club de sport et évidemment dans un club de basket. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps, je me consacre beaucoup à l'activité Quick. Et puis, il y a aussi beaucoup de bons présidents qui font bien leur métier. Pour la Ligue, évidemment, c'est autre chose. Si je peux apporter un jour quelque chose à la Ligue, pourquoi pas ? D'accord. Bah, on vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le plateau. Merci. Merci à vous. Et merci à tous les deux. Guiza Muresan est prêt pour le troisième carton. Alors on passe une page de pub rapide et on trouve Guiza et ses amis pour les troisième et quatrième cartons de ce grand choc du championnat de France. A tout de suite. Le basket sur Pâté Sport, ça se déguste avec Justin Brideau. Suivez leur regard. Ils en passent tous pour cette petite balle blanche. Tous, ce sont les têtes d'affiche du circuit américain. Et en général, ils abattent toujours leurs meilleures cartes, surtout lorsqu'ils sont sur Pâté Sport. Le troisième tour du Mercedes Championship, ce soir, à 22h sur Pâté Sport. Sport, le foot US déchaîne les passions. Après avoir vécu l'intégralité du championnat universitaire, place à la saison des Bulls. Plus qu'un sport, un vrai spectacle sur et en dehors du terrain. Quarterback, c'est touchdown au programme. Le Citrus Bowl entre Michigan et Auburn, c'est demain à 14h en exclusivité sur Pâté Sport. Le basket sur Pâté Sport, ça se déguste avec Justin Brideau. Retour au Palais des Sports de Pau, 47 à 33, c'est le score à la mi-temps. Il reste encore deux cartons de 10 minutes chacun à Villeurbanne pour revenir dans le match. Est-ce que Villeurbanne en a les moyens ? C'est la question que tout le monde se pose, à commencer par David Bielski avec Greg Meugniot. Voilà, on est avec Greg Meugniot pour savoir ce qu'il va faire en deuxième mi-temps. Georges Muresan nous a fait beaucoup de mal, est-ce qu'on peut envisager peut-être une zone ? Ouais, tout à fait, des zones, des choses comme ça. Ouais, Muresan nous fait mal, ils ont un gros pourcentage de réussite. Et curieusement,
on n'est pas trop loin. C'est surprenant par rapport à la domination qu'il y a dans tous les domaines, au niveau de la taille, au niveau de l'agressivité, de l'envie. Donc si on a la volonté d'y croire un peu plus, on peut inverser la tendance. Mais ici, si ça joue comme ça, et ça a toujours joué comme ça, ils joueront toujours comme ça. Donc à nous, à un moment, d'y mettre un peu plus quand même de joie sur le terrain, alors que là, on subit beaucoup les situations. Et on a senti aussi Art Lang, il n'était pas trop motivé en début de match quand même. Ouais, oh. Je sais pas, je crois qu'il y a toujours la peur de mal faire à un moment ou à un autre, donc ceci peut expliquer cela. Mais il n'était pas trop vexé peut-être de ne pas rentrer dans le 5. Je crois, faut lui demander. D'accord, merci Greg. Et avant de découvrir les statistiques, David, vous avez peut-être le temps d'aller voir Claude Bergeau parce que les arbitres viennent de siffler 3 minutes avant le coup d'envoi. Donc pourquoi pas aussi un petit topo du coach adverse, éventuellement, si vous êtes avec lui. Oui, David, je suis avec Claude Bergeau. Alors Claude, on dirait que tout s'est passé bien dans cette première mi-temps. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Oui, bien sûr, parce qu'on a eu une bonne sélection de tirs. Dans certaines phases, parce qu'après on a quelques paniers évidemment un peu fabuleux de Jerry McCullough, mais maintenant on essaie quand même de jouer intérieur, on veut continuer à jouer intérieur. On a encore quelques problèmes sur les drives, c'est qu'on se fait trouer, quand on se fait trouer contre l'Asvel, on prend des paniers extérieurs, donc on ne veut pas se faire trouer de cette façon-là, il faut qu'on arrête ça. Et la raison pourquoi vous gagnez ce match pour le moment, c'est McCullough, Murison, en fait c'est les deux recrues, un bon recrutement finalement. Une grosse maîtrise de balle et de l'équipe de la part de Jerry, et puis un jeu très rationnel intérieur de la part de Georges Murison, tout à fait. D'accord, merci. Une minute avant le coup d'envoi de ce troisième carton ici au Palais des Sports de Pau. Le temps pour Jean-Pierre de nous décortiquer les stats. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ces statistiques, Jean-Pierre ? Je crois qu'elle parle. Voilà, vous avez la clé du match ici. 59% pour Pau, 39% pour l'Asvel. En sachant que le pourcentage de Pau a été fait dans le secteur intérieur. Et que dans ce secteur, eh bien, ils en sont à 71%, 10 sur 14. C'est phénoménal. C'est phénoménal pour les Palois. Et c'est bien sûr Murezan qui a apporté tout le punch et toute l'efficacité de l'attaque paloise dans ce secteur. Vous voyez la réussite dans le premier quart-temps, dans le deuxième quart-temps. Et puis une descente quasiment, j'allais dire proportionnelle, 69 à 50 pour les Palois, 50 à 29 pour les Villeurbanais. Quand l'adresse descend côté Palois, elle descend aussi côté Villeurbanais. Alors paradoxalement, on se rend compte que Villeurbanne tient bien le choc au rebond. Ils ont bien fait leur boulot. Alors il y a une différence entre la domination offensive du Murezan qui met tout coup dedans, mais chaque fois qu'ils ratent, les Villeurbanais sont quand même présents dans le rebond défensif. Vous voyez qu'ils ont pris 14 rebonds défensifs. Alors vous n'êtes pas étonné de voir Murezan à 12 points, Maculot à 9 points, Fabien Dubos à 6 points. Mais enfin, Murezan et Maculot ont vraiment été l'axe perforant de l'équipe paloise. Et côté Villeurbanne, eh bien, Edwards, Blum, c'est un peu plus pâle, pas shooting. Blum à 100%, mais c'est un peu plus. C'est un degré moindre. Voilà. Pour les statistiques. Au Palais des Sports de Pau, le coup d'envoi du troisième quart-temps, alors que l'Élan Béarnais mène de 14 points. C'est parti avec un premier ballon qui sera récupéré par Villeurbanne. Laurent Sierra avec Zahar Pachoutin. Bill Edwards. Et Villeurbanne qui est au rebond offensif. Présent. Voilà, Pachoutin. C'est bien fait ça pour Art Lang. Belle action de fixation. Belle action collective côté Villeurbanne. Jerry Maculot, Didier Gadeau, Roger Stellière, Didier Gadeau sur la ligne des 3 points, à l'opposé, c'est Jerry Maculot qui récupère ce ballon, il ne reste plus que 4 secondes pour le shoot, il est contré, c'est un marché pour Jerry Maculot. Oui, monsieur Balabi a considéré que le contre était bon, par derrière mais sans le toucher, touchant la balle uniquement. Sierra
avec Hartlang, Laurent Sierra, ligne de fond Bilba, ressort pour Bill Edwards qui prend le shoot à 3 points, c'est encore manqué, Fabien Dubos pour le rebond. Oh là là, au niveau des 3 points, hein, c'est un peu la cata. Avec un 2 sur 11 pour l'Asvel. Johnson. Estellière, il reste 2 secondes pour le shoot. C'est Estellière qui le prend, c'est très court. Et comme le buzzer a retenti, oui. Eh bien, la balle sera pour les Villeurbanais. À une époque, cette balle aurait pu être jouée, mais là... Voilà, attaque villeurbanaise. Maintenant Laurent Sierra qui essaie d'organiser tout cela. Mais pas l'intercepté par Tarpo. Didier Gadou avec Jerry Maculo. Et 2 points de Didier Gadou. Voilà, là il faut replier. Il ne faut pas que les Villeurbanais s'endorment. Il n'y a pas que l'attaque. Il y a aussi le repli défensif. Les Palois vont vraiment chercher à les mettre à mal dans ce secteur comme ils l'ont fait en première mi-temps. Laurent Sierra. Voilà, et faute. Vas-y, Foissotrette, fais-nous rêver comme à Haussin. Oh là là, il y a du... Et fais-nous rêver comme au JO. Et ben, on verra. Pour l'instant, c'est plutôt l'élan Bernet qui fait rêver. Le leader invaincu est en grosse difficulté. Hartlang. Jim plus... Bilba prend le rebond offensif, c'est important. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise en attaque face à Kidja que. À 3 points, Jim Bilba pour relancer l'équipe de Villeurbanne qui ainsi se retrouve à 11 points. Didier Gadou et Fabien Dubos, il est contré. Il est contré par Hartlang. Mais c'est récupéré voilà. Par Roger Estellière. Oui, de bien. Avec Jerry Maculo à l'intérieur, Fabien Dubos. Fabien Dubos contré 2 fois. Et la balle sera finalement pour l'élan Béarnais. Bon, eh bien, il va falloir que tout cela retrouve le rythme normal. Il y a beaucoup de déchets. Ouais. De belles actions aussi parce que Estellière est venu récupérer un ballon de magnifique manière. En même temps, il y a du déchet. Ouais, d'ailleurs, sur le ralenti, on a vu que ce n'était pas un contre. Il a plus été gêné et raté son shoot derrière. Didier Gadou, Fabien Dubos, Estellière, Maculo. Ça circule bien. Maintenant, on joue à l'intérieur. Et encore une fois, Fabien Dubos qui se heurte à la défense villeurbanaise. Ah, il a du mal, là, Fabien. Oui, mais faudrait-il savoir ce qui s'est passé. À l'intérieur, Hartlang, lui aussi, il est contré. C'est à toi, moi. Chacun son tour. Jerry Maculo. Quoi, et là, cette balle de Hartlang, Jean-Pierre, c'était pour revenir sous la barre des 10 points. Ça faisait quand même bien longtemps dans le match. Hein. Quoi, Maculo, il prend la balle. Hartlang, il joue vite. Avec, oh là là, avec Zahra Pachoutil, oh, il s'en sort bien. Oui, je crois. Il s'en sort bien, Zahra Pachoutil, parce que j'avais l'impression qu'il était en train de perdre son ballon. Cela regardez. Étant dit, voilà, je crois qu'il s'en sort très très bien. Ouais. Très, très, très alors bien. Ça c'est une façon politiquement correcte de dire qu'en fait apparemment il n'est pas faute. Hein. Allez, il s'en sort bien et donc la balle au Villeurbanne. J'ai toujours du mal à dire que les arbitres se sont trompés parce que je m'imagine bien à leur place, ça serait une catastrophe. Hartlang qui ne marque pas. Bien voilà. Oh là là. C'est le secteur intérieur qui est sinistré là des deux côtés. C'est la cata, surtout un saut pareil. Et la faute de Laurent Sierra derrière. Anti-sportif. Ah, ça c'est sévère par contre. C'est le geste qui est... Ouais, c'est un peu sévère quand même. Alors, ça fera pour lui deux fautes pour Laurent. Ah oui, remarque. Ouais. Sur le lancer franc. Bah, c'est-à-dire que... Sur le ralenti, oui. Bon. Castano a considéré qu'il allait au panier. Voilà, et Laurent Sierra est en retard. Enfin, en tout cas, si Hartlang n'arrive pas à mettre ses paniers faciles, parce que là, il en a eu un, Villeurbanne n'a aucune chance de s'imposer aujourd'hui. Face à l'élan Béarnais. Ce qui s'est passé là dans les 4 premières minutes, en fait pour Pau c'est pas très grave parce qu'ils ont une certaine marge d'avance. Par contre pour Villeurbanne à mon avis c'est très important. C'était très important parce qu'ils pouvaient en ce début de deuxième mi-temps essayer de marquer le coup
sachant que les mi-temps de 15 minutes maintenant, et on l'a vu déjà dans le championnat, quand une équipe domine en première mi-temps, elle peut être susceptible de se faire remonter assez facilement en deuxième mi-temps. On a vu ça déjà depuis ce début de championnat avec ces nouvelles règles. Didier Gadou. Au poste, c'est Lawson, Jerry Maculo maintenant qui cherche à se retourner, mais Jim Bilba qui défend dur. Fabien Dubos, nouvelle tentative. Et une nouvelle fois, il se fait bâcher et il marque. Et ben voilà, sans foi, remet sur fond d'ouvrage. C'est ce que Fabien Dubos a dû se dire. Il ne renonce pas. Là, vous voyez le Fabien Dubos qui remet le ballon. C'est le Fabien Dubos qu'on connaît aussi à droite comme un singe. Voilà, avec le ballon, il jette le ballon, il rentre dedans. Il manque un peu de densité physique, mais balle en main, il est très fort. Alors que là, il avait quand même pris un double kick sur la tête auparavant. Bilba. Oui, Jim Bilba. Ça y est, le renouveau des intérieurs maintenant. Non mais, on va voir si Villeurbanne reste en défense de zone, puisqu'ils sont passés tout à l'heure sur l'attaque qu'on a vu précédemment en défense de zone. Voilà, ils sont toujours. Didier Gadou, il est loin. Le rebond est pour qui? Énorme rebond de Lawson, qui ne marque pas, mais il est victime de la faute, il va avoir de lancer. Vous savez que la zone que fait Villeurbanne, elle est attaquable de deux façons, soit par des tirs extérieurs, soit au rebond, ou par des tirs intérieurs, carrément dessous, dans le seul pourquoi elle est faite, en fait protéger l'intérieur. Eh bien, malheureusement, Villeurbanne est en train de pêcher là aussi, parce qu'il stratégiquement c'est bien joué, tactiquement c'est bien joué, mais il faut qu'ils prennent ces balles au rebond. Il n'y a pas de raison, puisqu'il n'y a pas d'une raison, ils ont la possibilité de le faire, ils dominent depuis le début du match, dans ce secteur, il n'y a aucune raison. Lawson. Laurent Serra. Laurent Serra qui passe à Jerry Maculo et il y a une faute. Est-ce celle de Fabien Dubos qui s'est décalée ou celle de Jerry Maculo? C'est Jerry Maculo qui fait sa deuxième faute. L'ancien MVP du championnat de France il y a 2 ans avec l'équipe de Gravelines. Zara Pachotin, non, à 3 points, c'est manqué. Et la balle qui est sauvée par les Palois. Là, les Palois sont vraiment présents, hein. Ils sont sur les ballons. Beaucoup plus que leur adversaire. Et oui. Une petite faute là. Ouais, ouais. Petite poussette sur Laurent Sierra. Et la balle pour les Villeurbannais. Et là, ça sent un petit peu le roussi parce qu'il va falloir que Maculo fasse attention. Quand même indispensable dans le jeu palois. Deuxième joueur à 3 fautes après Didier Gadou et 2 points en face pour Zahar Pachoutin qui va avoir le lancer franc bonus derrière. Ça fera 2 fautes d'affilée quand même côté palois. Maintenant tout va se shooter. Villeurbanne n'a que 2 fautes d'équipe pour tes 5 fautes. Le rapport de force est en faveur de Villeurbanne pour l'instant. Voilà Zahar Pachoutin. Il met le son lancé. Thierry Maculo, Roger Estellière. En pénétration, Estellière, rebond Lawson, victime d'une faute. Lawson, c'est un peu l'aspirateur là quand même en ce moment. Ça se bloque tous les ballons. Regardez, hop là. La sortie d'Estellière remplacée par Freddy Fautou. Ça sera à faute donc je disais pour Jim Bilba avec toujours pareil des intérieurs en difficulté côté Villeurbanne, 4 fautes, 3 fautes, 2 fautes pour Jim. Et ce qui est inquiétant pour l'ASVEL qui est mené de 12 points, c'est que sur ces dernières semaines, l'ASVEL a eu beaucoup de mal à boucler tous ses matchs. Contre le Pana, l'ASVEL a craqué en fin de match. Contre Wroclaw, l'ASVEL a craqué en fin de match. Même chose contre Moscou. Et même si l'ASVEL a gagné contre Le Mans, eh bien, ils ont eu vraiment très très chaud dans les dernières minutes parce que Le Mans est revenu dans les dernières minutes. En fin de match, généralement, malgré un banc très fourni, l'ASVEL a des difficultés cette saison. Et là, en plus, l'ASVEL est mené. On va voir si ce match ressemble aux autres ou pas. Là, c'est la faute de Freddy Fautou. Il va donc y avoir des lancers francs pour Hartlang. Petit passage à vide, hein, côté palois qui... Mais est-ce que Villeurbanne saura en profiter? Apparemment non pour l'instant, puisqu'on est toujours au-dessus des 10 points d'écart.
Donc je sais si, si Pau est à la ramasse, là, ils commettent des fautes. Ils cherchent un équilibre, ils ont du mal à gérer cette avance. Bon, c'est tout ce qu'on connaît habituellement. Bon, Villeurbanne essaye pas tous les. Enfin, toutes choses sont. Tous les types de défenses sont essayés par Grégoire Beugnon, Mahom, zone. Maintenant, c'était zone presse. Et ballon perdu par Jason Lawson. Récupéré par Bill Edwards. Et deux points pour Zahar Pachutin. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Logique, puisque pour la première fois depuis l'âge du Néandertal, Villeurbanne est en dessous. 10 points de retard, 55-46, 9 points. Le match n'est pas fini, même si Villeurbanne est en difficulté. Villeurbanne ne renonce pas. Même si bien sûr les Lambertais gardent la maîtrise. On écoute peut-être Greg Bonio. Ok, be aggressive, you know. The ref whistle if you are aggressive. If you want more the game to help you. It's for that. Be aggressive, pass your legs, see the ball like that. And be aggressive, play together, aggressivité. Ok, let's go final. Work hard in rebound. Work hard in rebound. Les deux présis côte à côte, Pierre Seyant et Marc Lefebvre. Marc Lefebvre dont c'est le premier déplacement de la saison, championnat de France et Super League confondu. Et Pierre Seyant qui a un petit problème au genou. On ne l'a pas vu, mais il a une béquille à ses pieds parce qu'il s'est fait opérer du ménisque, comme les plus grands champions finalement. Et donc bah, maintenant il se promène avec une petite béquille, le présis de Portez. Freddy Photo. Thierry McCullough. Et ballon perdu par les Palois. Jean-Pierre, est-ce que le vent tourne là un peu? On peut dire que Villeurbanne est en train de reprendre la main. Ils sont en train de faire commettre des fautes à Pau qui a manqué un peu de vigilance là sur la fin de ce troisième quart-temps. Et puis bon, ils sont bien dans le coup, ils essaient de se remettre en piste. 20% de réussite seulement sur le troisième quart-temps au tir pour l'équipe de Pau Orthez. C'est raté pour Jim Bilba. Ah, c'est un shoot à 3 points là qui aurait pu permettre au Villeurbanne de revenir juste dans le dos de l'élan Bernet. McCullough, il force un peu McCullough mais il provoque la faute et il va se retrouver au lancer franc. Alors avec Pau en difficulté, eh bien Claude Bergeau fait revenir sur le parquet The Lethal Weapon, l'arme fatale. On sait que Muresan en 9 minutes 27 en première mi-temps a mis 12 points à 67% de réussite et qu'il a à lui tout seul donné l'image que l'on a vue de cette première mi-temps. On va voir ce que ça va être en deuxième mi-temps, mais ça a été une vraie souffrance pour les Villeurbanneux. Comme le disait Grégoire Beugnot, tout est dans l'envie, tout est pour que les arbitres sifflent et que la chance tourne à la faveur des Villeurbanneux. Il faut qu'ils se montrent agressifs, qu'ils se montrent présents, qu'ils soient dans le timing. Ce qui a l'air d'être le cas depuis quelques minutes. Pachutin avec Edwards, Pachutin. Oui, Pachutin, Hartlang, il est contré par Gizan Muresan. Et voilà le travail. Il n'a pas de chance. Vous voyez un peu le changement. Quand il était, quand il n'y avait pas d'opposition, enfin une opposition moins forte qu'avec Gizan, il ne les mettait pas. Là maintenant, il était à deux doigts de le mettre, mais il tombe sur Gizan. Gizan qui perd le ballon sur cette passe de McCullough. Oui. 3 contre 1 avec Zahar Pachutin en contre-attaque. Qui commence à faire grimper ses stats, Pachutin. Et là, c'est un nouveau ballon perdu par l'élan. C'est curieux, l'élan qui déjoue complètement alors que l'élan Bernet avait ce match largement en main. Laurent Sierra, 3 points, non. Il donne à Bill Edwards. Hartlang qui est passé. Mais oui, mais il y a encore Gizan Muresan. Cette fois-ci, c'est Jim Bilba pour le panier raccro. Voilà, regardez. C'est jamais évident. C'est jamais évident de gérer une vraie avance, il faut être hyper vigilant. Didier Gadeau qui est stoppé irrégulièrement par Hartlang qui va faire sa quatrième faute. Mine de rien, il n'y a que 7 points d'écart dans ce match, même si c'est vrai qu'au niveau des fautes,
L'équipe de Villeurbanne est en difficulté. 4 fautes pour Long, 4 fautes pour Blum. Plus 2 autres joueurs à 3 fautes, alors qu'à Pau, il n'y a pas encore de joueurs à 4 fautes. Alors, Long qui en est à 25% de réussite, il a eu 8 tentatives de shoot, il en a réussi que 2. C'est un peu mitigé quand même comme prestation. Didier Gadeau qui rate son premier lancer. C'est pas terrible les lancers francs à Pau, alors que pourtant ils jouent à domicile. Ce sont leur cercle, leur panneau, leur repère. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. 50% de réussite. Regardez Didier Gadeau qui fait 0 sur 2 par exemple. Et un total de 62% seulement pour l'équipe de Pau. Et pendant ce temps-là, c'est Bill Edwards qui permet à Villeurbanne de revenir. Jean-Pierre à 4 points. C'est un blackout total pour les Palois sur ce troisième quart-temps. Si Thierry Gourdal a des stats, soit sur le score de ce troisième quart-temps par rapport au score des deux premiers, ou alors sur les stats de tir, ça peut nous renseigner pour mieux illustrer cette gabégie. 20 à 10 pour un quart-temps qui n'est pas terminé. Et puis déjà, on vous l'avait montré, il y avait 20% seulement de réussite au shoot pour les Béarnais. Et au lancer, ça continue. Incroyable. 18 sur 30 au lancer franc pour les Palois. Regardez, contre 11 sur 15. Là, il faut que les Palois se rassurent sur cette... 0 sur 2. Incroyable, je vous coupe Jean-Pierre, non, mais ça 7, fait 0 sur 4. 7 minutes 30 va être très importante, parce qu'après le quatrième quart-temps, va être quasiment à égalité. Voilà, là, par contre, et la cinquième de Hartlang. La faute est très importante. La cinquième de Hartlang. Et c'est une faute encore un peu bébête, hein, parce que cette faute de Hartlang, c'est encore une fois loin du ballon, c'est-à-dire sur un écran mobile. Sur un écran mobile. Regardez, voilà. Il envoie promener son vis-à-vis, ouais, pour mieux ouvrir l'accès à 3 points à Laurent Sierra sur le shoot de loin. Et ben voilà, Hartlang donc qui aura fait 5 fautes en moins de 13 minutes de jeu. Et Jim Bilba est à 3 fautes, David Frigou 3 fautes, Joachim Blum 4 fautes, ben ça se complique, il reste quand même 11 minutes 27 de temps de jeu avant la fin de ce match. Voilà, du coup ça oblige Greg à passer carrément en zone, ce qu'il a fait déjà depuis un long moment, mais là je crois qu'il va être tenu. Muresan qui se retourne, c'est manqué, mais il récupère lui-même son ballon, il le perd à nouveau. Laurent Sierra à tout le public demander une faute. Laurent Sierra, Peter Hoffman, Jim Bilba. Avec Peter Hoffman, Sierra à nouveau. Sierra face à Didier Gadeau pour Jim Bilba. Qui ne marque pas, rebond pour les Palois avec David Frigou. Peter Hoffman, nouvelle possession pour les Villeurbanais. Une possession dans la dernière minute de troisième carton pour revenir à quelques toutes petites longueurs. Possession importante. Laurent Sierra, Frigou au poste qui prend le shoot, ça rentre. David Frigou qui fait un gros gros match encore là, qui marque des paniers importants et qui permet à son équipe de revenir à 2 points seulement. Oui, mais... Qui le cru à la mi-temps ? Voilà, oui, mais de lancer franc côté palois sur faute d'Hoffman. Lors du shoot de David Frigou. Et bien sûr, on assiste à ce qui se passe couramment dans le domaine du basket. Des équipes qui mènent largement en première mi-temps, qui oublient que la mi-temps de 15 minutes, eh bien, et avec les nouvelles règles, ça peut permettre des réajustements et certaines facilités pour le retour. Et on assiste donc à ce qu'on voit souvent, le retour de Villeurbanne qui se remet progressivement dans le match, et les Palois qui se sont endormis. Ils se mettent même en difficulté en fait. Voilà, Greg Bognot qui a fait le show auprès de l'arbitre. Vous l'avez vu, alors évidemment, tous les pions derrière ont réagi. C'est bien joué, ça a obligé ces joueurs à réagir aussi. Il met de l'ambiance dans la salle. Et on a retrouvé la mire au niveau des lancers francs. Greg Bognot qui n'a rejoint son équipe que hier soir tard. C'est Bernard Sangloire qui a fait les entraînements parce qu'il était allé rendre visite à son papa. Vous le savez, Jean-Paul Bognot, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basket français, hein, qui est gravement malade, et on pense évidemment très fort à lui. Peter Hoffman à 3 points. C'est manqué, la balle qui finit derrière. Le shoot de Peter Hoffman à 10 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. S'il l'avait mis, il n'y aurait plus eu qu'un seul point d'écart entre ces deux équipes. Alors que là, Pau Orthez a l'occasion de faire à nouveau un tout petit break
avant la fin de ce carton. Oh là là, le ballon volé par Laurent Sierra, Roger Stellière au buzzer. Oh, il avait bien le chrono en tête, Laurent Sierra. Il a vu qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout alors que le chemin était ouvert. Il a shooté à 9 mètres. Bonne gestion et malheureusement, il lui manquait un petit quelque chose pour permettre à son équipe de revenir à un petit point d'écart. 59 à 55, score à la fin du troisième quart-temps. On peut dire sans se tromper que le match est relancé. C'est une évidence, 4 points en basket, eh bien, ce n'est pas grand-chose. David Bialski, vous avez un invité, comme c'est de tradition entre les quart-temps. Voilà David, je suis avec Pierre Albaladejo, spécialiste de rugby, mais vous êtes aussi des Landes. Alors vous connaissez donc le basket, pouvez-vous nous parler des similitudes entre ces deux sports? Non, il faut dire d'abord que dans mon département, le sport numéro un en licencié, c'est le basket. Je surprends quand je dis ça, mais c'est une vérité. Et puis c'est vrai que... on a tous plus ou moins joué un peu au basket. Dans nos entraînements, il fut un temps où on jouait au basket parce que la dextérité de mer, le sens du rebond, du décalage et tout, ce sont les mêmes essences. Si ce n'est qu'en rugby, il y a des contacts qui sont autorisés, qui sont l'essence du jeu. Ici, le contact est interdit, oui, mais on le voit aujourd'hui, c'est quand même très physique. Et c'est physique, mais respectueux. Voilà. Quand on voit deux équipes comme ça qui se respectent en s'engageant comme ils le font, je pense qu'il faut tirer son chapeau. Bravo, c'est bien. Alors vous étiez quel genre de joueur? Est-ce que vous avez joué? J'imagine que vous donniez des coups à l'intérieur. Hein? Non, moi je jouais... j'avais un poste un peu privilégié de distributeur de jeu, jouais demi d'ouverture. Donc je n'étais pas dans le paquet, je n'étais pas un physique comme on dit. J'analysais davantage le jeu pour faire jouer les... Ah non, mais en basket on parlait. Ah, où c'est que j'aurais joué là? Oui, voilà, en basket. Ah, oui, vous étiez quel genre de joueur en basket? Ah, non, moi je pense que j'aurais été un distributeur, oui. Comme je l'ai... Distributeur de jeu ou de coups? Distributeur de jeu, pas de coups, non. Non, c'est pas dans mon tempérament. Et puis je pense que j'aurais appris à me maîtriser parce que je vois que les joueurs à ce niveau, c'est physique, mais alors qu'est-ce qui se maîtrise? Là, on a des leçons à prendre. D'accord, merci beaucoup. Il est taquin, David Bialski. Il est taquin. Un esthète du jeu comme Pierre Albaladejo. Pierre Albaladejo est un grand monsieur, vraiment un grand monsieur. Avec qui vous avez discuté avant le match, hein, Jean-Pierre, un petit peu. Il faut dire que dans les Landes, il y a eu des grands joueurs de rugby comme les Viroumat, Bastia et d'autres joueurs dont également Bono Doga à l'époque, qui sont passés par le basket, qui ont été d'excellents basketteurs. Oh là là, quelle patate chaude! Et cette patate chaude, elle tourne dans les mains villeurbanaises. Et ça, c'est une sorte de signe. Parce qu'en première mi-temps, vous pouviez être sûr que ce ballon, il tombait dans les mains paloises. Et regardez comme les balles perdues, ça s'équilibre. Vous vous souvenez en début de match, où ça faisait 7 à 2, il me semble. Laurent Sierra, Bill Edwards, il est court, Bill Edwards, c'est Jim Bilba qui récupère et il avait le pied sur la ligne, Jim Bilba. Jim est toujours là dans les grands coups, quand ça chauffe et que le Money Time ne va pas tarder à arriver, on retrouve Jim, on retrouve Laurent Sierra, il y a des joueurs qui sont présents, espérons qu'ils le seront jusqu'à la fin de ce carton pour eux-mêmes. Hein. Ouais, pour revenir au rugby basket, c'est vrai que finalement les deux sports sont proches, surtout ici. On sait que Raphaël Ibanez, tout le monde le connaît, hein, il a commencé avec le basket. Oh, le contre! Non, ce sera une faute pour David Frigou. Raphaël Ibanez avait commencé avec le basket. Ouais, il a été espoir régional, il a été sélectionné régional. C'était même mon assistant à l'équipe de France, Patrick Vizelay, qu'il avait dans ses sélections régionales. Oui, tout à fait. Il le connaît très très bien d'ailleurs. C'était quoi son poste à Raphaël Ibanez? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'imagine qu'il devait jouer à l'extérieur, bien évidemment. Mais Ibanez est imprégné de la culture basket aussi. Et puis bon, il y a beaucoup de rugbymen des Landes qui sont notamment très, très amis avec Rémi Fautou, les frères Gadeau. C'est le cas par exemple de Richard Dourt. Il vient dès qu'il en a la possibilité à Pau pour voir son copain Freddy. Alors côté palois, ça ne s'améliore pas. On rate les lancers francs. Et ami Florent va. Détruis va. On va tenter le deuxième lancer franc et essayer de le mettre. Voilà. Laurent Sierra en pénétration. Oui, mais il y a Muresan qui se présente. Sierra Pachotine. Grosse défense de Roger Stellière. Pachotine à l'opposé avec Bill Edwards. Et la faute. La faute pour Didier Gadeau, semble-t-il. Il n'a pas l'air d'y croire, Didier. Didier, qui est le joueur le plus menacé par les fautes à Pau, c'est sa quatrième faute au capitaine de l'Élan Béarnais.
Ça sera la première faute d'équipe côté palois. Pour Villeurbanne en sont à une faute d'équipe pour l'instant. Voilà le retour de Freddy Fautou à la place de Didier Gadeau. Pachoutin qui va. Voilà, qui avec cherche. David Frigo qui marque sur la passe de Zarar Pachoutin. Un jeu de bien mené, bonne fixation pour une bonne passe. 3 points d'écart. Freddy Fautou. Jerry Maculo, donc là on joue avec les deux petits ensemble, hein, les deux meneurs côte à côte. Maculo qui prend un shoot à 7 mètres, c'est manqué, mais le rebond long est pour Roger Stellière qui ne s'attendait peut-être pas à pareil cadeau, hein, qu'il était au-delà de la ligne de 3 points. Maculo à nouveau. Freddy Fautou, c'est encore manqué et un rebond pour Bill Edwards. Et oui, la défense de zone villeurbanaise pose de réels problèmes en cette fin de match au Palois. Une bonne zone de 3. Laurent Sierra avec Frigo face à Muresan. Et Frigo a été gêné par Guidza, bien sûr. Ah, il faut changer la trajectoire de son tir, hein, quand il y a 2m30 plus les bras en l'air face à vous. Ça, c'est sûr. C'est plus impressionnant qu'on doit l'imaginer devant la télé. Fabien Dubos. Ballon récupéré par Guidza qui marque. Eh oui. Sous le regard de Boris Dio, c'est le seul Palois qui n'est pas encore entré en jeu aujourd'hui. C'est vrai qu'il est touché au genou, on l'a vu avec une grosse genouillère. Il s'est blessé lors du match espoir, il a pris une béquille. Ouais, cet après-midi. Et Laurent Sierra qui met un panier à 3 points. Laurent Sierra qui a la rage, on le voit, qui serre le poing. Et évidemment, ça ne plaît pas au public. 2 points d'écart seulement à 7 minutes de la fin. Ah. Laurent Sierra dont c'est le premier tir réussi du match, voilà. Jean-Pierre. Il avait mis pour l'instant que 2 lancers francs, c'est son premier panier du match. Laurent Sierra qui essaie d'exhorter les troupes, qui essaie d'exciter un peu le public. Il a besoin de ça, comme tous les compétiteurs, ils ont besoin d'une certaine forme d'hostilité affichée pour pouvoir se remotiver. Il sait très bien que ça peut jouer dans l'effectif villeurbanais. Maculo avec Freddy Fautou. On joue intérieur bien sûr pour Guidza. Freddy Fautou qui prend le shoot et 2 points. Ça aussi c'est fort de la part de Freddy Fautou. Bon, ben je sens qu'on va assister à une fin de match. Génial. Digne de ce nom. Avec Zara Pachoutin, la bronca, Bill Edwards, c'est manqué. Et le rebond pour Fabien Dubos. Avec Jerry Maculo. On sait aussi que c'est une chose de revenir sur les talons de son adversaire et c'est autre chose de passer devant. Et là, on va voir si Villeurbanne est vraiment fort, tout simplement. On va voir si Villeurbanne est capable en 2 temps, d'abord de se rapprocher, comme Villeurbanne vient de le faire, et de passer devant ensuite. Greg Meugniot vient de demander un temps mort. 64 à 60, un peu plus de 6 minutes de la fin. Bah, puisqu'on vous dit que ce match, c'est... le grand classique de la fin des années 90 et du nouveau millénaire. Eh bien, 2 clubs aussi prestigieux face à face. C'est simple, hein, on a aujourd'hui sur le parquet 2 des 3 plus gros clubs de l'histoire du basket français au niveau du palmarès. Regardez cette belle image avec Limoges, bien évidemment. Regardez ça. Pau-Orthez, 6 fois champion de France. Une Coupe Corrache, c'est en 84. Troisième de la Coupe d'Europe avant que ça devienne l'Euroleague. C'était en 87 et 3 trophées des As, c'est en gros l'équivalent de la Coupe de France auparavant. Et puis l'ASVEL, 15 fois champion de France, c'est bien évidemment le record. Finaliste de la Coupe des Coupes, c'était en 1983. Et le Final Four de l'Euroleague en 97. Et de cette équipe qui est allée au Final Four de l'Euroleague en 97 à Rome, il ne reste que Jim Bilba et Laurent Pluvy. Et d'ailleurs, pour terminer avec les petites infos, c'est le 72e match entre ces deux équipes. Pour l'instant, Pau mène 35-34. Il y avait 2 matchs nuls en plus. Si Villeurbanne gagne, ça équilibrera le bilan. Mais pour l'instant, c'est Pau qui mène dans cette partie. Même si là, il y a 3 secondes annoncées contre Guidza, il me semble. On le siffle tellement peu que je n'avais oublié la règle. Donc voilà, c'est Laurent Pluvy qui va être chargé maintenant de côté Villeurbanne de driver les opérations, comme vous le disiez. Avec Bill Edwards.
avec Pachotin à 3 points. C'est raté et rebond offensif de Jim Bilba. Souvenez-vous, c'est lui la semaine dernière qui a donné la victoire à Villeurbanne face au Mans avec deux rebonds offensifs dans les dernières minutes et le panier de la victoire. Laurent Pluvy. C'est pas simple de trouver l'ouverture. Non. Oh, c'est pas simple. Ça défend. Ça anticipe. David Frigo. Voilà, elle est la meilleure. Prend le shoot. Elle était plutôt au posto en shoot plutôt que d'aller de se rapprocher du contre de Murezan. Thierry McCullough. Estellière dans le coin. Murezan. Bah oui, bien sûr, on cherche à jouer. Regardez la différence face à Frigo. Il se retourne. Il ne marque pas cette fois-ci. Rebond offensif de Fabien Dubos qui redonne à Freddy Photo. Pas l'importance de la part de Fabien qui va chercher un bon ballon. Laurent Serra va revenir sur le parquet. Jerry McCullough, Freddy Photo. McCullough. Moins de 10 secondes à jouer. Roger Stellière, 3 points, c'est court. Rebond pour les Villeurbanais. Avec Pachoutine. Oh, qui s'enflamme, Pachoutine. Oh, qui s'enflamme. Avec Bill Edwards, boum. Un contre-attaque. Voilà, ça relance les Villeurbanais. Ça les remet encore plus dans le coup pour cette fin de match. Oh là là, 2 points d'écart. Voilà, tout terrain défense. Et voilà. Ballon perdu par les Palois et récupéré par Maculo. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. Maculo qui ne marque pas. Rebond pour Bill Edwards. Ça va vite avec Laurent Pluvy, avec Jim Bilba, avec Pachoutin qui ne marque pas mais qui est victime d'une faute et qui va avoir deux lancers pour égaliser. Incroyable, alors que Villeurbanne a été mené, si mes souvenirs sont bons, de 18 points lors du deuxième quart-temps. Oui, des Villeurbanne qui se jettent encore perdu dans cette fin de partie. Ils défendent tout terrain, ils essaient de jouer un jeu rapide, ils posent de gros problèmes en attaque aux Palois parce qu'ils sont en défense de zone et qu'ils n'arrivent pas à résoudre cette alternance extérieure-intérieure côté Palois. Bref, ils ont trouvé la brèche, ils se sont engouffrés, ils tiennent le bon bout. Maintenant, voilà, balle d'égalisation. Alors ça sera balle de retour à un point. Voilà. Maintenant, mais en tout cas, ils y sont. Voilà ce qui. Vous voyez Laurent Sierra qui regarde le score. Quand on le voit regarder en l'air, il regarde pas le ciel, il regarde le score puisque le tableau d'affichage est au-dessus de la tête des joueurs. 1 sur 2 pour Pachoutin, 1 point d'écart. Mais vous notez au passage que plusieurs fois l'ASVEL est revenu tout près et jamais encore l'ASVEL n'a réussi à passer devant. Mais il reste encore du temps avec 4 minutes à jouer. Estellière, Dubos. Dubos qui ne marque pas. Il y a une faute, mais il va avoir de lancer, Fabien. C'est dommage parce que ce type de panier, ô combien il est important. Ouais. Mettre le panier et le lancer franc derrière, c'est comme un magnifique tir à 3 points. Au lancer franc, donc, le grand copain de David Bielski. Ils ont fait partie de la French Team de Michel Gomez il y a de cela quelques années. Bielski Dubos, ils étaient tout jeunes à l'époque tous les deux, c'était un peu les Ekel et Jekyll de la raquette paloise. Et Fabien, lui, ensuite est parti à Cholet pour revenir à Pau cette saison. Fabien qui vient d'inscrire son 9e point. Laurent Sierra avec Bill Edwards, Laurent Pluvy, David Frigo. David Frigo, c'est remarquable. Joli mouvement de David Frigo. Un David Frigo qui vraiment sur cette fin de match s'exprime pleinement. Jerry McCullough. McCullough, Roger Stellière. Maculo à 3 points, il est ouvert, complètement ouvert. Ouh là là, l'airball. Oh, c'est curieux. Ah, ça pose problème là. Ah oui, c'est curieux. Ça pose problème. Et à 3 points, Thierry Gondal va nous sortir ça. 21% seulement pour l'équipe de Pau-Orthez. Pour l'ASVEL, c'est à peine mieux. 5 sur 21, c'est la gabégie des deux côtés. Temps mort, alors que le score est de 65 partout. Égalité et 3 minutes 30 à jouer. Quel scénario idéal. Allez, on écoute Greg Bonio. Contrôle Estellière. Example.
when they touch the ball here, when you hear defense, when the one make the fixation here, it's bad for us because they put the two guys like that. And when we go, the transfer. It's important here, we push it here. Après, là, if they ferme par rapport aux espaces. Les blocages au rebond, play wide, ok? Or you can play on low position too, d'accord, on four. On peut jouer, retour des deux équipes sur le terrain, 65 partout. Villeurbanne a égalisé pour la première fois depuis le premier quart-temps, il me semble bien. Laurent Pluvy. Et là, c'est une balle pour passer devant. Ben, si Villeurbanne gagne, c'est quand même c'est l'attaque du train postal de Londres. Jim Bilba. Et on est allé au-delà des 24 secondes pour la deuxième fois du match à Villeurbanne. On a dépassé le temps autorisé pour shooter. Et c'est maintenant un ballon pour reprendre l'avantage à Pau avec Jerry McCullough. 3 minutes pile à jouer. Freddy Fautou. Jason Lawson. Estellière. Freddy Fautou. Face à Laurent Sierra. McCullough, il est à 7 mètres. C'est manqué. Récupéré par Bill Edwards, ce ballon. Il joue vite avec Laurent Pluvy qui marque en contre-attaque pour la première fois depuis le premier quart-temps. L'équipe de Villeurbanne est devant et ça provoque la furie de Guiza Murezan sur le banc. Ouais. Et Claude Bergeau va bien sûr rappeler Guiza sur le terrain. C'est dommage parce qu'ils auraient pu casser cette contre-attaque pour n'ayant que deux fautes d'équipe contre quatre du côté de Villeurbanne. Et la balle pour l'Asvel, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le doute envahit. Et maintenant, c'est Pau qui va peut-être devenir très fébrile. L'équipe de Pau qui n'arrive pas à se retrouver sur ce dernier carton, qui commet quelques petites erreurs, je vous dis, sur cette contre-attaque et qui a permis à Villeurbanne de passer devant, eh bien, il pouvait tout interrompre. Laurent Sierra qui marque lui aussi. Quelle série, 4 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne. Pau Orthez qui est complètement scotché dans cette partie. Et maintenant la pression à côté de McCullough. Ah oui, quelle pression. C'est pas fini. Oh, ballon voilà. Perdu par Freddy Fautou, intercepté par Laurent Sierra, c'est comme vous voulez. Bon là, on va voir l'attaque du train postal là. On veut le trop bien up, faire. Le hold-up de l'année. On incroyable. Veut trop bien faire côté palois, on est pris à la gorge par le temps maintenant. Et le score donc. Laurent Sierra qui prend un shoot à 3 points. C'est raté. Et Pau peut encore y croire avec Fabien Dubos. Et la faute de David Frigou semble-t-il, ce serait sa cinquième. Oui. Non, je crois que... Oui, tout à fait. Frigou qui termine avec 10 points. 10 points en 22 minutes. Alors le problème maintenant, c'est que Fabien Dubos n'a pas le choix. Il faut qu'il mette ses deux lancers francs pour donner un peu d'oxygène à ses partenaires. Temps mort demandé par l'élan béarnais. Claude Bergeau ne tient pas trop à la perche, on respecte tout à fait ça. Donc on va aller voir le banc de Villeurbanne. Cool. Now, they play with Murezan. On offense. Pick and roll. OK. The one here with the ball. OK, pick and roll here. D'accord. The player with Murezan here for the pick. Play here. D'accord, ok. Là, ici, the second inside player here, on the four. Là, et là. And we play on the pick and roll here. If they make the rotate, Jim, you go. If this one make the rotate, play on the space for your shot. Allez, Jim, confiance. Voilà, c'est fort, Fabien Dubos. Voilà, Fabien avec toute la pression du match sur les épaules, il n'avait pas demandé cela. Un silence de mort dans cette salle paloise. Le premier lancé de Fabien Dubos. 3 sur 5 pour Fabien en comptant celui-là. Oui, Fabien, il les met au bon moment.
Laurent Pluvy avec Blum. Laurent Sierra. Deux points d'avance pour l'ASVEL. Un peu plus d'une 10. Jim Bilba. C'est raté à trois points. Qui récupère la balle. Oh, oui. C'est Bill Edwards. Mais derrière, il y a Stellière et la faute de Laurent Sierra. Ouais, Laurent qui coupe la contre-attaque, mais ils ont cinq fautes. Donc ce sera forcément deux lancers francs. Il ne faut pas qu'il y ait des prolongations pour l'ASVEL parce qu'il y a quand même deux joueurs sortis pour 5 fautes. Ce sont deux intérieurs, Bill Frigou et Long. Il reste donc Bilba et Blum. Alors qu'à Pau, on est moins en difficulté avec les fautes. Il n'y a que Didier Gadou qui est à 4 fautes. Ah. Donc, 2 points d'écart, 1-0-3 à jouer. C'est encore trop tôt pour faire de la science-fiction en disant il faut faire ça, il faut faire ça. Oh, je crois que oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possessions. Il y en a au moins 3. Non, c'est sans doute plus d'ailleurs. C'est infaisable, injouable, on ne peut pas savoir. Une minute, c'est énorme. Déjà, quand il n'y a que 10 secondes, les possibilités sont multiples et diverses. Donc. Et en plus, il n'y a jamais de solution radicale. On va voir si la rentrée de Georges Murezan va être un peu plus heureuse que tout à l'heure. À noter la grosse partie de Fabien Dubos avec ses 11 points et 10 rebonds. Plus de passes et pas de balles perdues. C'est surtout le nombre de rebonds qui est impressionnant chez Fabien sur ce match. 8 rebonds défensifs. Très opportuniste. Voilà Roger Stellière au lancer franc. Qui disait dans Sud-Ouest aujourd'hui qu'il se sentait heureux ici à Pau, qu'il pouvait vraiment vivre parce qu'à Vitoria c'était infernal, grosse pression, etc. Il s'y plaisait pas. Le voilà Fabien Dubos, l'un des grands bonhommes de cette partie qui pour l'instant est sur le banc. Et Roger Stellière donc qui met son lancer. Ah, mais il n'en a mis qu'un seul. Hein. Oui, un seul. C'est vrai qu'il aurait dû. Mais bon. Ballon important maintenant. Laurent Sierra avec une bronca terrible. Et là, ça va défendre dur. Hein. Bill Edwards face à Didier Gadeau. Peter Hoffman, pas loin de perdre le ballon. Il le perd même complètement. Et la balle est pour Ortez avec cette balle perdue de Peter Hoffman. Que de rebondissements dans ce match. Que de rebondissements. Une balle pour passer devant à Pau. Et zone côté Villeurbanne sur ses dernières secondes. Villeurbanne qui reste dans cette configuration Stellière, de défense. Maculot, Didier Gadeau, on cherche Murezan. Et dans la raquette, ça ressort pour qui? Pour les Villeurbanne. C'est incroyable. Balle perdue par l'ASVEL et derrière, balle perdue par Pau. Mais là, c'est la dernière possession du match. Voilà, dernière possession et la cinquième faute de Didier Gadeau. Il fallait de toute façon arrêter le chrono les Laimbert Bernet. Oui. Obligatoire. C'est un choix, c'est toujours pareil, ça peut être discutable, mais à mon avis, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire parce qu'il faut récupérer ce ballon pour avoir une chance de gagner, autrement Bellevillers-Banais allait le garder. Hoffman a mis 3 lancers francs sur 4 depuis ce début de match. Il était à 75%, donc on peut imaginer que. Il va en mettre au moins un. Le capitaine palois, donc premier joueur palois sorti pour 5 fautes, le troisième du match après les deux Villeurbanais. Didier Gadeau avec 7 points. Non, excusez-moi, j'ai dit, j'avais pas fait attention. Comme il n'y a que 3 fautes d'équipe, effectivement ça ne se shoote pas. Et ouais. Les palois avaient encore plus raison de faire faute. Avec Jim Bilba. Le chrono tourne. Voilà. Et la faute. Bien. Et c'est la quatrième, et le chrono pour l'instant-là continue de tourner. Voilà, il faut qu'il refasse faute immédiatement derrière. Alors parfois, c'est un avantage quand on fait peu de fautes, mais dans ce genre de situation, quand on est mené, oui. Et ben finalement, on préférait en avoir fait plus, hein, paradoxalement. Greg Beugnot qui fait rentrer son artillerie, et Pachutin, puis Laurent Pouilly, pour essayer des extérieurs. Il reste 11 secondes, tout est encore possible. Laurent Sierra, la faute de Roger Stellière sur Laurent Sierra. De toute façon, Greg avait bien joué le coup. Il avait mis quand même des gars comme Pachutin, comme Laurent Pluvy, Laurent Sierra, Jim Bilba, sont des gens qui mettaient des lancers francs. Sierra, meilleur passeur du match avec 6 passes décisives et 4 interceptions aussi. Alors, Laurent Sierra, il a quoi? Il est à 100% pour l'instant, alors que Laurent Pluvy discute avec Greg Beugnot. 100%, 2 sur 2 pour Laurent Sierra. Et il ne tremble pas. Encore un.
Attention, s'il met le deuxième, il y a 3 points d'écart, mais il y a 10 secondes pour un dernier shoot à 3 points de l'équipe de Pau. Rien n'est terminé, rien n'est terminé, rien n'est terminé. Laurent Sierra. Le deuxième lancé, Filoche aussi. On voit les grands joueurs qui ne tremblent pas dans les dernières minutes. Maculo et la faute de Laurent Pluis sur Maculo. C'est logique et c'est bien joué, Jean-Pierre. On explique. Hein, parce que là, il n'y a que deux lancers. Il fallait qu'il donne sa balle plus vite. Il fallait pas qu'il la garde. Il fallait que le ballon vive pour pouvoir avoir une chance de shooter à 3 points. Bon, c'est facile, hein, vous savez, en théorie. Mais bon. Il faut avoir la tête suffisamment froide pour y songer. C'est vrai que c'est plus simple avec du recul. Je pense qu'il le savait, mais à mon avis, il n'avait pas la passe sûre. Donc, il a préféré garder le ballon plutôt que faire une bêtise. Il reste encore 8 secondes derrière. On peut encore refaire faute immédiatement. Ouais, on peut encore jouer à ça, peut-être encore sur un coup. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on appelle une bonne faute. C'est vrai, c'est tenté qu'on puisse parler de bonne faute. Parce que là, même s'il met ses deux lancers, hein, vous avez bien compris en regardant le score, le chrono, même s'il met ses deux lancers, eh bien, ils ne sont toujours qu'à un point des Villeurbanne, les Palois, avec 8 secondes à jouer et la balle au Villeurbanne. Derrière, on refait faute immédiatement. Et en plus, le premier lancer de Jerry Maculo est raté, alors qu'il avait fait 100% jusqu'à présent. Il avait fait 4 sur 4. Pourtant, je parlais des grands joueurs qui ne tremblent pas. Lui, c'est un grand joueur, aucun doute là-dessus. Et pourtant, il rate le premier. Il réussit le deuxième, mais il y a encore un point d'écart avec 8 secondes à jouer. Donc bien sûr, là aussi, on va faire faute. Faute d'Estellière sur Laurent Pluvis. Mais avec 2 points d'écart, si Laurent Pluvis met ses 2 lancers francs, on peut considérer que c'est quasiment terminé. Enfin, vous l'avez compris, c'est simple. C'est de plus en plus difficile, plus les secondes s'égrènent pour l'équipe de Pau Orthez, bien sûr. C'était la 5e faute de Roger Estellière qui termine avec une ligne de stats très variée, avec 7 points, 4 rebonds, 5 passes décisives. Voilà, 2 points d'avance. Il faut absolument que les Villeurbanne mettent ces deux lancers francs. Plus 3 côté Villeurbanne. On a intérêt à faire faute peut-être derrière s'il rate le lancer franc, Laurent, puis pour éviter encore le tir à 3 points, on ne sait jamais, c'est ce qui joue. Plus 4. Et là, en revanche, du côté de Villeurbanne, on va a priori laisser jouer avec Maculo. C'est une option. 3 points pour Freddy Photo. 3 points à moins de 3 secondes de la fin, c'est incroyable. Mais derrière, on joue vite pour Villeurbanne. Hop. L'arbitre avait sifflé faute, mais le chrono, il me semble qu'il a un peu couru. Et il y a faute. Alors, et a priori. Et il y a faute. A priori, c'est gagné. Et il y a faute. Est-ce que c'est gagné? Bah oui, parce que le chrono est allé jusqu'au bout. Là, il reste. Vous voyez, il y a. Alors, attendez, qu'on ait la confirmation quand même. Hein, regardez, Yvan nous montre avec le chrono. Si, voilà. Alors, la faute, elle est faite quand? La faute, elle est faite là, ici, et il reste une seconde à jouer. Et regardez comme le chrono continue. Le chrono continue alors qu'il restait une seconde à jouer. Les Villeurbanne sont sur le point de s'imposer sur le parquet de Pau. Faut être vigilant. Combien vont-ils accorder maintenant après les lancers francs? Philippe Malabio, il demande l'avis de la vidéo. Bon, je sais que ça n'existe pas officiellement, mais on pourrait lui dire une seconde. Hein. Enfin, on n'a sûrement pas envie de rentrer là-dedans parce que ça. On va pas interférer. Il décide dans son âme et conscience. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il y a de sûr, c'est que Villeurbanne mène d'un point. Il y a des lancers pour Laurent Pluvis. Donc qu'il en mette un ou deux. De toute façon, si derrière il y a une possession, même ultra courte, ben ils vont shooter de 15 mètres. Les Palois. Non, vous me direz, ce match est tellement fou. Il est tellement fou. Bon, alors en bas à droite, les 10 minutes, bon, c'est parce que le chrono est revenu à 10 minutes, mais bon, ça n'est pas le cas, hein, bien sûr. Premier lancé. Alors, et a priori, Philippe Malabio devrait faire jouer une. On voit Muresan. Ouais. Il devrait faire jouer une seconde, Philippe Malabio. On le rate exprès. C'est fini. Voilà, c'est fini, il l'a raté exprès, bien sûr, pour que le chrono tourne. Voilà. C'est logique, c'est bien joué de la part de Laurent Pluvis. Villeurbanne s'impose de 2 points. 74 à 72 dans ce choc de la 14e journée. Villeurbanne reste invaincu et réussit une énorme perf, un hold-up après avoir été mené de près de 20 points dans le deuxième quart-temps. Ouais, David, je suis avec Fabien Dubos. Fabien, vous n'avez jamais pu vous remettre de ce passage en vide en troisième quart-temps. Tout à fait, c'est un peu notre problème. Ce qui nous est arrivé la semaine dernière à Paris aussi, le troisième quart-temps. Ils ont fait une défense de zone qui nous a beaucoup gênés, on n'a pas su trouver les solutions.
Ils sont revenus petit à petit dans le match. Évidemment avec l'arbitre, comme l'équipe va mieux au Birban, l'arbitre suisse, qui est logique. Et ça les a remis dans le match, nous on a commencé à douter. Je ne vois pas grand chose sur la fin, mais c'est vrai que le troisième carton nous met vraiment dedans. Quoi. Oh, merci Fabien. Numéro 10, 5 points pour 74 à 72, on est dans les vestiaires de Villeurbanne, bien sûr, on va aller voir tous ces joueurs villeurbannais. Et nous, on découvre le MVP. Jean-Pierre, qui avez-vous choisi? Il y avait pas mal de candidats. Oui, hein. C'est pas facile. Bien qu'ayant fait un début de partie assez pâle, je pense que Pachoutine peut aspirer à ce titre de MVP. Il est à 50% de réussite. Vous le voyez, il a deux points, il est à 80%. Certes, il a fait défaut dans les tirs à 3 points. Il a manqué à cette équipe de Villeurbanne. Bon, il est à 80% au lancer franc, il prend des rebonds. Offensif notamment, peut-être des balles importantes, défensif, 5 passes décisives. Il provoque 5 fautes. Bon, il a compté dans ce match. Il a permis à Villeurbanne de revenir sur les rails et de s'orienter vers la victoire comme ce fut le cas. Ouais, sachant qu'il y avait d'autres candidats, il y avait Bill Edwards et aussi Laurent Sierra par exemple. Voilà. On peut dire que Laurent a beaucoup compté, même David Frigou. Ouais, voilà les joueurs villeurbannais dans le vestiaire. Et le voilà Pachoutine qui peut. Bah oui, il a mérité de boire un coup, hein, Pachoutine, comme tout le monde d'ailleurs. Allez, on a peut-être une interview avec David Bialski dans les vestiaires. Oui David, je suis avec l'entraîneur vainqueur Greg Bugnot. Alors Greg, tu m'as écouté à la mi-temps, t'es passé en zone, ça a assez bien marché. Ouais, comme quoi, je vais te recruter comme assistant peut-être, ça pourrait être intéressant. Puis tu pourras me faire travailler les pivots, ça serait sympa. Ouais, on avait prévu, on l'a travaillé début de semaine dernière. Et on avait prévu de la mettre en œuvre là. C'est vrai qu'ici, par rapport à ce qu'on résumait à la mi-temps, l'agressivité... la détermination, ils ont toutes ces qualités-là, donc c'est très dur à un moment de maîtriser le timing du match. Donc hélas, il faut en venir à des défenses comme ça. C'est la première fois qu'on l'a fait, c'est bien. Et on sentait que ton équipe, avant ce match, doutait un petit peu, et là, on dirait que le doute est peut-être effacé. On a besoin, de toute façon, de passer peut-être par des moments comme ça pour avoir une vraie équipe. Ce qui est important, c'est que tout le monde pense qu'il n'est pas indispensable, mais que sa présence dans l'équipe apportera quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être les rotations qui font gagner, c'est l'investissement de tout le monde, parce qu'on revient de loin, mais qu'il y a eu cette volonté d'aller chercher aussi. D'accord, merci Greg. David, avant que vous ne trouviez un autre invité dans les vestiaires de Villeurbanne, on va faire le point stats rapide sur ce match, avec les stats les plus cruciales, je pense, pour voir le changement incroyable entre la première mi-temps et la deuxième. Regardez pour Orthez, les pourcentages au shoot, 69%, 50%, c'est énorme, et après 18 et 30%, alors que de son côté, l'Asvel, mis à part le premier carton, eh bien, ça n'a fait que grimper jusqu'à la fin. Et puis au niveau du score, bien évidemment, regardez, Puortez n'a marqué que 25 points sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire moins que sur le premier carton, rendez-vous compte, alors que du côté de l'Asvel, ça a été beaucoup plus régulier. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a des interviewés, David, dans les vestiaires? Oui, David, je suis avec Laurent Sierra. Alors, Laurent, tu avais poussé un petit coup de gueule cette semaine dans les journaux. Tu disais qu'il n'y avait pas trop d'équipe, ou l'équipe n'était pas encore faite. Là, est-ce que tu sens que vous avez une solidarité, surtout après ce match, de la façon dont vous êtes revenu? Mais d'abord, il n'y a personne qui va nous sauver. C'est vrai que, avec ma grande gueule, comme ça plaît à beaucoup, j'ai peut-être un peu mis le doigt sur la vérité. Et il s'est avéré qu'aujourd'hui, tout le monde s'est investi. C'est vrai qu'en plus, le coach avait eu des petits problèmes familiaux, ça nous a encore plus unis. Et comme un petit peu ce qui s'est passé en équipe de France, le jeu appartient aux joueurs. Et si nous, on veut faire les efforts pour, on réussit. C'est vrai qu'on maintient pour 25 points en deuxième mi-temps. On joue en équipe, on accepte les erreurs des uns des autres. Mais surtout, ça a toujours été positif, toujours aller en avant, toujours essayer de faire mieux, toujours essayer de gommer. Et avec cette équipe, peut-être que ce soir, une équipe est née, je l'espère. Et maintenant, on a un match important mercredi. Mais peut-être que tu as une autre question, peut-être. Il y a Jean-Pierre, je crois qu'il y a une autre question. Oui, Laurent, c'est David ici, justement, parce que tu parles du jeu qui appartient aux joueurs. L'entraîneur de l'équipe de France de Sydney est là. Jean-Pierre, une question pour Laurent? Oui, une question, oui. Laurent, par rapport au début de saison, tu n'as pas du tout le même profil sur le terrain. Tu étais plutôt shooter en début de saison. Là, maintenant, tu es plutôt organisateur. Comment tu vois les choses par rapport à cette évolution sur le terrain? Aujourd'hui, tu sonnes la révolte. Comment tu te sens par rapport à ça, par rapport au groupe? Ce qu'il y a, c'est que je pense que de changer de club, j'ai voulu un petit peu être politiquement correct, on va dire, de m'adapter un petit peu au club, aux gens avec qui je joue. J'ai bénéficié de la
de la pré-ciné où ça s'est très bien passé, j'étais bien physiquement. Et c'est vrai qu'au retour de l'équipe de France de fin novembre, début décembre, j'ai eu un petit trou physique et je me suis dit, bon, ben, je vais jouer autrement. En fin de compte, dès qu'on veut changer son caractère ou sa personnalité, ben, on change. J'ai plus été leader dans mon style, j'ai plus rien dit, j'ai subi. Et quelque part, ben, j'ai amené les gars avec moi parce que je pense qu'ils ont confiance en moi. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu mis en retrait du fait de ma baisse de régime. Et puis là, j'ai beaucoup discuté avec Greg ces deux derniers jours, avec mon père aussi. Et puis c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de me recadrer et en fin de compte, de pas vouloir changer ma personnalité parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui veut être en avant et de tirer les autres, toujours dans le sens positif. Et j'embrasse fort, fort, fort ma famille. Je dis à maman que tout va bien, je suis en pleine santé. D'accord, merci Laurent. Parce qu'elle s'inquiétait alors, bon, très bien. Merci Laurent. On termine avec le classement avant de rendre l'antenne à Paris. Et bien pour voir que la série de Villeurbanne continue. On est maintenant à 13-0, sachant que le record de tous les temps dans la Ligue nationale, c'est 23 matchs. Oh, il y a encore du chemin hein, pour l'équipe de Villeurbanne pour égaliser le record de Limoges en 1990. 13-0. L'information principale, Jean-Pierre, c'est que pour la première place, toutes les équipes qui suivent, vous pouvez oublier la première place parce qu'on imagine mal Villeurbanne perdre 4 matchs d'ici la fin de la saison régulière alors qu'on est à mi-chemin pendant que les autres gagneraient tout. Ça semble très peu probable, surtout que ça, c'est une victoire face à un adversaire direct qui a le match retour à Villeurbanne. Hein, la première place, c'est plié, mais après, c'est jamais. Pourquoi aller gagner à Villeurbanne ben, enfin, bon, attendez, j'ai un billet, là, on va parier. On va voir. Tout est possible. Par contre, derrière, il y aura les playoffs. Alors, tout est possible, tout à fait. Mais enfin, bon, qui aurait cru en première mi-temps que. C'est vrai. Villeurbanne reviendrait. Voilà, c'est le basket, c'est ce qui fait la beauté du basket. Exactement. L'équipe de Villeurbanne donc qui a passé magnifiquement ses deux tests face au Mans la semaine dernière et face à Pau, on vous en avait parlé. Et Pau reste deuxième donc avec l'équipe du Mans juste derrière. On regarde tout de suite les prochains rendez-vous pour rendre très très vite l'antenne parce qu'il n'y a pas que le basket, on a plein d'actu sur Pathé Sport. Avec donc l'Euroleague Saint-Pétersbourg Kinder Bologne. Antoine Rigaudot doit gagner à Saint-Pétersbourg pour terminer premier de l'Euroleague et avoir l'avantage du parquet jusqu'en finale. C'est important. Et puis le même soir d'ailleurs en léger différé, c'est le même groupe, ça c'est un match pour la deuxième place avec Athènes face à Vitoria, Laurent Forest qui est en grande forme, on l'a vu, qui joue en Grèce. Et puis le lendemain dans un autre groupe d'Euroleague, le Real Madrid-Ljubljana, le vainqueur de ce match sera deuxième de la poule, le Real Madrid bien sûr avec Sacha Djordjevic et Eric Strulens, c'est le groupe aussi de l'Olympiakos de Stéphane Rizacher. Le retour du championnat de France, Basket Info, 16h en direct dimanche prochain, et puis le match Chalon qui reçoit l'équipe de Nancy, encore un match de gros outsiders, ça c'est pour dimanche prochain. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée sur l'antenne de Pathé Sport. Bye bye. Bye bye.